S'il vous plaît, rejoignez vos places. Bien. Alors, avant de démarrer et que je liste les excusés, les pouvoirs, j'ai une demande de cap à gauche d'intervention. Sur le principe, je suis d'accord pour cette intervention si elle est limitée à 2 minutes maximum, et j'avais proposé à ce qu'elle puisse, qu'il puisse intervenir au moment où, puisque ça a trait à la mobilité, qu'il puisse intervenir au moment où on traitait ce problème, ce sujet. Mais on risque de dépasser les 21h et j'oubliais qu'on était encore en couvre-feu, donc j'ai proposé à M. Fageot de pouvoir faire cette intervention. Voilà. Et puis, on va écouter, et puis on commencera l'ordre du jour. Bon, voilà, je vous laisse la parole. Monsieur le Président, donc, on souhaitait intervenir sur la problématique des mobilités et surtout celle des dessertes des quartiers et des communes, mais... mon propos se limitera ce soir sur la desserte, la demande de rétablissement de la desserte du quartier du Biolay qui avait été supprimée en 2016 lors de la mise en place du nouveau réseau de bus. Donc le 31 août 2016, il y a eu un nouveau plan de dépassement urbain. Il y a eu la suppression d'un nombre de dessertes, dont celle du Biolay, sur le périmètre Salin, EHPAD, Berge de Lierre, Oradour-sur-Glane et Mairie de Quartier. Dès le départ, et encore aujourd'hui, les habitants ne l'acceptent pas. Plusieurs mobilisations ont eu lieu, pétitions, rassemblements, courriers, interpellations en commission transport, puis mobilité, récente déambulation au mois de février, sans aucune prise en compte sous l'ancienne mandature ou la nouvelle issue des élections il y a quasiment un an. Si cela n'était pas surprenant de la part de l'ancienne majorité à l'origine de la suppression, nous avons du mal à comprendre que rien n'était encore entrepris sous l'égide du nouveau Conseil communautaire. Nous sommes ici pour vous demander solennellement de rétablir cette desserte répondant aux besoins toujours exprimés par des citoyens. Cela concerne une distance de 900 mètres et donc du domaine du possible, sans mettre en péril ni le budget annexe mobilité, ni le budget général qui pourrait en toute légalité subventionner son budget mobilité comme le font la quasi-totalité des agglomérations. Nous avons du mal à comprendre que Grand Chambéry soit à rebours de ce mouvement aux dimensions environnementales et sociales. Je vous remets donc, Monsieur le Président, la dernière campagne de signature réalisée lors des jours du marché du Biolay. Voilà, c'est pas 2 minutes, c'est bon. Et je vous remercie encore de nous avoir autorisé. Merci. Merci d'avoir respecté le délai imparti. On prend effectivement juste un petit mot. On a des demandes, hein. Sans lancer le débat, mais on a plusieurs demandes et tout ça est à la connaissance du vice-président en charge des mobilités. On a des arbitrages à réaliser, on le sait. On sait aussi que l'on apporte et que l'on apporte des sommes, et on le verra encore tout à l'heure sur le point budgétaire, des sommes conséquentes sur la mobilité pour la continuité du service d'une part et aider notre délégataire sous la forme négociation à l'amiable, et ça on l'a déjà évoqué. Donc tout ça est bien dans nos têtes. On sait qu'on a des urgences aussi. En termes de décision sur ces déplacements transports en commun et mobilité d'une manière générale. Voilà. Je remercie la ville de Chambéry de nous accueillir, parce qu'on est sur la commune de Chambéry. Merci, monsieur le maire, une fois de plus. Et juste pour vous indiquer, concernant que l'état d'urgence sanitaire s'est achevé au 1er juin, donc, cette fin d'état d'urgence sanitaire met fin aux dispositions dérogatoires en matière d'organisation des assemblées
hein, qui cette assemblée qui autorisait la visioconférence, l'abaissement du quorum à un tiers au lieu de la moitié en temps normal, la possibilité d'être porteur de pouvoir au lieu d'un pouvoir en temps normal. Tout ça donc est terminé. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve aussi avec la présence de public qui est acceptée, et puis un retour à la normale au niveau du quorum et des pouvoirs. Je veux saluer la présence de 9 étudiants en Master 2 Administration des collectivités territoriales de l'Université de droit de Jacob Belcombette qui sont au fond de la salle. Bonsoir, messieurs, dames. Vous êtes les bienvenus dans cette assemblée. Le quorum est atteint, c'est ce que je vous ai indiqué. Et concernant les pouvoirs, eh bien, on a d'abord les excusés, deux élus excusés, Christian Gauny et Serge Tichkevich. Et ensuite les pouvoirs, Christelle Favet-Assayas qui donne pouvoir à Franck Morat, Cindy Picot qui donne pouvoir à Jimmy Baaba, Benoît Perroton donne pouvoir à Aloïs Chassot, Claudine Bonilla donne pouvoir à Isabelle Dunod, Alain Tiefna à Corinne Wolf, Martine Lambert à Brigitte Beauchaton, Vincent Boulnois à Éric Delomeau, Alexandra Turnard à Sylvie Kosca, Raphaël Mouric à Jean-Benoît Cyrino, Sandrine Garcin à Philippe Cordier, Philippe Ferrari, j'ai vu, il n'est plus là, non, il était au bureau, il n'est plus là, Philippe, hein, c'est ça. Philippe Ferrari à Cécile Trahan, James Allais à Josette Rémy. Voilà pour les pouvoirs. Désignation du Benjamin de l'Assemblée, Arthur Boisneveu, il est présent. Merci d'accepter. Et voilà. Donc on va, avant de démarrer aussi, enfin, pas avant de démarrer, on va démarrer l'ordre du jour et on va procéder à l'approbation du procès verbal de la séance de nos derniers conseils communautaires du 15 avril 2021. Est-ce qu'il y a des demandes de correction, précision, complément? Non. Donc je le soumets à votre approbation. Est-ce qu'il y a des oppositions tel qu'il est présenté? Non. Des abstentions? Non plus. Eh bien, je vous remercie. Il est approuvé. Voilà. Eh bien, écoute, on va pouvoir commencer notre le point 1. Donc, un certain nombre, pardon, de rapports simplifiés dont je vais lire le libellé jusqu'au 25. Donc le rapport numéro 1, et donc comme à l'habitude, si ces rapports simplifiés ne font pas l'objet de demandes d'ouverture, de débat, de questions, eh bien on les votera en bloc. Le rapport numéro 1 concerne l'installation de Caroline Petite, conseillère communautaire suppléante du Châtelard. Le 2, fonds de soutien aux manifestations agricoles, attribution d'une subvention à la Confédération paysanne pour l'organisation de la fête de l'agriculture paysanne 2021 à Cognin. Le 3, fonds de soutien aux manifestations agricoles, attribution d'une subvention à l'ADABIO pour l'organisation de la foire bio de Savoie 2021 à la Motte Servolex. Le 4, fonds de soutien aux manifestations agricoles, attribution d'une subvention aux jeunes agriculteurs de Savoie pour l'organisation d'un stand à la foire de Savoie 2021. Le 5, approbation de l'avenant de la convention entre Grand Chambéry et l'association des agriculteurs irriguant l'épine pour la mise à disposition de l'utilisation de la retenue collinaire de la Villette et du réseau d'irrigation associé sur la commune de la Motte-Servolex. Ensuite, le 6, attribution d'une subvention à J'aime Beaucoup pour une étude de faisabilité d'un projet de valorisation des invendus de pain sur le territoire de Grand Chambéry. Le 7, attribution d'une subvention à l'association Solucir pour faciliter le développement de l'économie circulaire sur le territoire de Grand Chambéry. Le 8, approbation du zonage d'assainissement collectif et non collectif et du zonage des eaux pluviales de Grand Chambéry. Le 9, les admissions en non-valeur sur les budgets eau et assainissement. Le 10, convention relative à l'appel à manifestation d'intérêt territoire de mise en œuvre accélérée au plan logement d'abord. 11, avenant à la convention de fonctionnement de la direction des systèmes d'information mutualisés. Le 12, renouvellement du dispositif d'avance de trésorerie non budgétaire entre le budget général, le budget de l'eau potable, le budget de l'assainissement et le budget des ordures ménagères des Bauges. 13, droit de préemption urbain simple et renforcé sur la commune de Chambéry, modification de la délibération du 18 décembre 2019. Le 14, ouverture des commerces les dimanches au titre de l'année 2022. 15, attribution de subvention à l'association Roue Libre. Le 16, participation au financement de la mise en jour du modèle multimodal de l'Ouest Savoyard, Modéos. Le 17, composition de la commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Le 18, approbation de la convention partenariat
entre les vélocistes et Grand Chambéry pour la mise en œuvre du dispositif chèque vélo à assistance électrique, VAE. Le 19, précision sur le poste et le recrutement du chef de projet, études et travaux à la direction des eaux et de l'assainissement. Le 20, création de 2 emplois non permanents sous contrat de projet, conseiller numérique. Le 21, création d'un emploi non permanent sous contrat de projet, coordinateur plan logement d'abord. Le 22, subvention à l'amicale du personnel au titre de l'année 2021. Le 23, plan de formation des agents de Grand Chambéry pour l'année 2021. 24, convention cadre relative à la mise en œuvre de la période de préparation au reclassement. Le 25, actualisation des principes de fonctionnement de Chambéry Grand Lac Économie. Voilà. On a pour l'ensemble de ces rapports simplifiés. Est-ce qu'il y a des questions, nécessité d'ouverture? Oui, le maire de Barbera. Merci, Monsieur le Président. Moi, mon interrogation, c'est sur le point numéro 23 à propos du plan de formation des agents de Grand Chambéry pour l'année 2021. Alors, je sais que l'année 2021 est particulière, il y a de nombreuses formations qui sont reportées. Pour autant, je ne vois absolument rien sur la formation égalité hommes-femmes, la lutte contre les discriminations, rien sur les comportements qui pourraient être discriminants dans les différents services. Sur les enjeux de transition écologique, sur la conduite du changement, il n'y a rien. Sur l'appropriation des enjeux écologiques non plus, et sur la décarbonation de l'action publique, pas grand-chose non plus. On est vraiment sur des formations, on va dire, classiques d'une collectivité, mais qui ne prennent pas en compte les enjeux de 2021. Donc, est-ce que c'est des choses qui pourraient être prévues pour des agents qu'ils demanderaient, voire même qui pourraient montrer une vraie volonté politique de former les agents sur ces questions-là? Merci. Bien, merci. Est-ce que la vice-présidente en charge des RH peut apporter une réponse? Oui, comme j'ai répondu du reste tout à l'heure à Aurélie, donc concernant le point égalité hommes-femmes, on l'avait passé par contre déjà en comité technique. Et puis pour tout le reste, en ce qui concerne les formations, il ne faut pas oublier que l'année 2020, on n'a pas pu faire beaucoup de formations avec la crise sanitaire. Donc il y a des formations obligatoires qu'il faut absolument faire. Donc c'est notre priorité. Ce qui ne veut pas dire que pour la suite, on fait en fonction aussi de la demande des agents. Donc c'est le plan de formation est passé au comité technique avec un avis favorable de toutes les organisations syndicales. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas ce qui est nécessaire de faire pour la suite. Alors en ce qui concerne les discriminations, les problèmes pour l'instant... On n'a pas non plus de problème, parce que j'en parlais avec Aurélie, donc des problèmes de racisme ou des choses comme ça. On n'a pas ce genre de problème. Donc je pense qu'on est assez ouvert pour entendre s'il y avait ce genre de soucis. Alors on ne va pas en créer, puisqu'il n'y en a pas, d'accord? Par contre, il y a toujours déjà d'emblée un accompagnement qui se fait au sein des ressources humaines, en cas de nécessité, et il y a toujours un suivi. Par contre, effectivement, il y aura aussi des décisions à prendre pour la suite et faire le nécessaire. Mais je tiens quand même à redire qu'aujourd'hui, la nécessité, c'est de faire aussi les formations qui sont obligatoires et qui n'ont pas pu être réalisées en 2020. Merci. Est-ce que cette réponse peut convenir? Voilà. Et puis, effectivement, si des enjeux de formation en est en pleine réflexion aussi, et de travail dans le cadre du projet d'agglo avec les services, et si ça ressort, c'est bien possible que ça ressorte, à ce moment-là, on l'intégrera complètement dans le projet d'agglomération. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur les rapports simplifiés? Oui, monsieur le maire. Oui, Monsieur le Président, j'ai des demandes de précision, de compréhension sur le rapport numéro 25, sur les principes de fonctionnement de Chambéry Grand Lac Économie. Sur le contenu, je voudrais simplement savoir en quoi consiste la suppression des paragraphes concernés sur le financement des projets d'investissement futurs portés par CGLE. Je voudrais qu'on me confirme aussi qu'une entreprise ne peut pas émarger à la fois à l'EPCI
et à Chambéry et à CGLE. Je croyais qu'il y avait un principe en disant qu'une entreprise qui demandait une subvention auprès de l'EPCI ne pouvait pas en demander auprès de l'organisme économique, en quelque sorte. Je voudrais être sûr que tout cela a été le cas, si c'était la règle, et que ça le sera, y compris après la suppression de ces paragraphes. Et ensuite, je voudrais aussi savoir si, sur la création d'un paragraphe relatif aux réserves foncières, ce qui me semble indispensable pour l'avenir, que cela se fasse en cohérence avec la politique foncière des deux agglos, il serait bon de se dire que les sommes dont on pense qu'elles doivent servir aux réserves foncières le soient affectées aussi à de la maîtrise de terrains déjà urbanisés. Je crois qu'on avait déjà eu une réunion sur ce sujet, que l'on ne pense pas dans l'avenir le développement économique exclusivement par extension urbaine sur des terrains qui sont aujourd'hui des prés, des champs, mais qu'il y a, me semble-t-il, une nécessité qu'on fasse de la reconquête sur des friches. Ça coûte plus cher, mais je crois qu'on serait plus en cohérence avec ce qu'attendent un certain nombre de nos compatriotes, et on a des zones d'activité économique qui sont en sous-densité, et sur lesquelles je pense que ce paragraphe aurait mérité que l'on puisse peut-être l'amender pour dire que la reconstitution du socle foncier économique ne se fait pas par une extension sur des terres non construites. Ensuite, bon, c'est un sujet qui rejoint d'ailleurs notre préoccupation, on le verra, sur le foncier lié aussi à l'habitat, sur de la reconquête, de la reconstruction de la ville sur la ville. Et puis, je voudrais peut-être suggérer que, à l'occasion de la transmission de ce rapport par le président de Grand Chambéry, il puisse être reprécisé à CGLE que CGLE n'est qu'un outil au service de l'EPCI, mais aussi au service des communes qui ont seules la légitimité de déterminer ce qui leur semble bon pour le développement sur leur territoire, et que CGLE n'a pas à se substituer ou à imaginer un plan de développement qu'elle élaborerait en son sein. Voilà. Il me semble qu'il y a là matière à améliorer les relations entre cet outil et les collectivités locales qui ont permis sa création. Bien, merci. Effectivement, ce sont des sujets qu'on a déjà évoqués ensemble. Je laisserai répondre le vice-président chargé de l'économie. Il y a une autre intervention qui est en lien avec ça? Oui, compléter, ok. On fera une réponse globale. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme j'ai pu l'indiquer à Luc Berthoux, lors d'une réunion en exécutif le 8 avril, on a pu échanger sur la politique de développement économique portée par Grand Chambéry. On a eu un partage des critères autour de la création de nouveaux parcs d'activités économiques. Et on avait pu échanger et on était assez d'accord sur l'intérêt de rajouter un critère sur la prise en compte de l'impact écologique en lien avec ce qu'a dit le maire de Chambéry pour pouvoir préserver nos terres agricoles notamment. On a également beaucoup insisté sur la question de développer des zones qui seraient desservies par des modes de transport alternatifs à la voiture. Et donc, on aurait souhaité retrouver ce critère dans cette proposition ce soir. Très bien. D'autres interventions sur ce point-là, avant qu'on demande au vice-président de répondre. Est-ce que peut apporter quelques réponses? Oui, merci, bonsoir. Sur tout ce qui a été dit, ben oui, on est d'accord. Hein, le paragraphe 3 qui revient sur la suppression des paragraphes financement, c'est qu'il y avait des doublons dans le propre texte qui régissent les statuts de Chambéry-Grand-Lac Économie. Donc il y a eu une simplification. Sur la maîtrise des terrains déjà urbanisés, c'est un souci constant parce qu'effectivement, c'est plus simple d'aller sur des terrains plats
vierge de toute construction, mais on sait que du coup, on va en contradiction avec des intérêts agricoles ou autres. Donc, dans le bilan, je vous renvoie au bilan d'activité de CGLE de 2020, il y a une double page qui parle de cette reconquête des espaces déjà urbanisés. Alors Thierry, tu l'as dit, c'est plus cher et c'est aussi plus long. Mais on a déjà, sur Grand Chambéry, répertorié quelques dizaines d'hectares qui peuvent être requalifiés. Et Grand Lac va lancer cette étude sur son foncier à reconquérir. Donc on est bien dans cette dynamique-là. Aurélie et Thierry, vous avez parlé des mêmes choses par rapport aux conséquences de deux réunions, une au sein d'une entreprise et l'autre au niveau de l'exécutif de Grand Chambéry, où on a redéfini que la création, l'ADN de Chambéry Grand Lac Économie, c'est d'être au service, bien sûr, des agglos et aussi des villes, et qu'il ne peut pas se passer de projet qui ne répondrait pas à une concertation et un accord des communes sur lesquelles ces projets se développent. Donc si une commune doit voir partir une entreprise, il faut qu'on sache pourquoi et qu'on n'a pas d'autre solution. Et dans le même temps, si cette entreprise doit aller sur une autre commune, il faut que la commune d'accueil soit aussi informée. Donc le pire, c'est quand ni la commune de départ ni celle d'accueil ne sont informées de ce qui pourrait se passer sur leur territoire. Le 8 avril, on était accueillis par la municipalité de l'Aravoir, quand on a évoqué ce thème de l'économie et du développement des entreprises et des emplois. Et il était clair qu'on a bien redit que CGLE était un outil. J'ai déjà pu le transmettre à sa présidente et à son directeur. On veut faire une restitution plus complète que ce que je viens de vous dire. Et donc, ça sera fait dans les prochaines semaines. Voilà, je crois qu'on est bien d'accord. Et puis, pour être totalement en adéquation avec la délibération que Chambéry Grand Lac a approuvée le 29 avril, je vous demanderai de rajouter dans le paragraphe création d'un nouveau parc d'activité économique PAE, dans la dernière phrase, la décision de créer ou non un parc d'activité économique interviendra après analyse des risques et contraintes et analyse d'impact économique, virgule, environnemental et financier, et sera formalisé par délibération, puisque c'est un amendement que j'avais porté auprès du Conseil syndical du 29 avril et que l'ensemble des membres de Chambéry Grand Lac Économie ont adopté. Donc c'est cette délibération avec ce rajout environnemental qui a été transmise par CGLE à la préfecture et qui est donc exécutoire. Ce qui serait pour le mieux, Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est que Grand Chambéry et Grand Lac adoptent une délibération qui soit en tout point conforme, et en plus ça va dans le sens des points que nous avons pu évoquer précédemment. Je vous remercie. Bien, merci pour cette précision. Est-ce qu'on peut donc la proposition, c'est de faire une modification de cette délibération avec ce rajout là oui, on peut le faire ce soir, faire cette proposition-là, il n'y a pas une cohérence parfaite. Enfin, d'accord, ok. C'est ce qui va être proposé. Et ensuite, sur les autres thèmes, ça serait d'accompagner aussi une autre délibération, certainement par un courrier, même si ça avait été déjà fait par ton intervention, Luc, auprès de CGLE, mais d'un courrier pour réaffirmer l'ensemble de ces points, hein, qui est de manière à que ça soit bien posé, et éventuellement revoir peut-être par la suite, et notamment à l'occasion, quand on aura acté notre projet d'agglomération, ça se ressortira certainement, en profiter pour dire, voilà, nous, on souhaite davantage, on souhaite ces termes-là, que soient pris en compte dans nos relations. Associer les communes, les actions, sur les communes support, sur les actions que mène CGLE, oui, d'ailleurs, enfin, Monsieur le maire, vous êtes intervenu auprès de CGLE pour cette entreprise-là, et derrière, j'ai appuyé votre position par un courrier soutenant votre position, parce que ça nous paraissait important, et il faut bien qu'on se cale avec CGLE, qui est, encore une fois, est un outil à disposition des agglos, et qui ne peut en aucun lieu travailler seul et décider seul et avancer seul sans les agglos et sans les communes supports des projets. Donc,
voilà, ça sera la proposition qui sera faite de modifier cette délibération dans ce sens-là, avec un courrier d'accompagnement qui retranscrira ces demandes, puisque moi, en tout cas personnellement, je suis d'accord, le vice-président en charge de l'économie est d'accord également. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur les rapports simplifiés ? Non. Est-ce que vous souhaitez que je retire ce rapport 25 pour qu'il soit traité et délibéré à part ? De personnes qui sont intervenues ? Pas nécessairement. Avec les amendements. Et monsieur le maire de Barbaral, votre intervention, est-ce que vous souhaitez que je fasse délibérer à part ? Non, on peut le faire d'un bloc. Donc, on va le faire d'un bloc, donc jusqu'au rapport du 1 au 25, eh bien, je le soumets au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non. Eh bien, c'est voté à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup. Et on va passer au rapport 26, qui est l'approbation des comptes de gestion 2020. Et c'est le vice-président aux finances, Jean-Marc Léhout, qui va faire cette présentation, accompagné de Cécile Rivoirade. Merci. Et sachant que pour cette approbation, je devrais sortir de la salle. Comment ? Très bien, merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous allons passer à la partie globalement qu'on appelle compte administratif. Ce document est fait d'un certain nombre de rapports. Ils sont dans l'ordre du jour de ce soir, numérotés de 26 à 34. Il vous est proposé que nous ayons d'abord une présentation de synthèse pour vous rappeler ce qu'il y a dans les différentes pages du dossier qui vous a été transmis, y compris avec ses annexes. Simplement, je vous rappelle que entre les pages 2 et 7, vous avez le récapitulatif dans le dossier compte administratif 2020 qui était présent dans l'annexe Conseil communautaire. De 2 à 7, ce sont les récapitulatifs essentiels. À partir de la page 9, c'est le budget général, investissement et fonctionnement. À partir de la page 34, ce sont les budgets annexes avec les détails afférents. À partir de la page 51, c'est la structure et l'état de la dette de Grand Chambéry. Et enfin, dans le rapport numéro 34, le rapport du Conseil communautaire, il y a la formalisation détaillée des budgets supplémentaires au titre de l'exercice 2021 pour Grand Chambéry. Si vous le voulez, nous allons balayer rapidement, mais prêts à répondre à vos questions. Nous balayerons l'ensemble des éléments de présentation budgétaire et flux financiers. Ensuite, si vous le souhaitez, nous répondrons à vos questions. Et une fois que nous aurons eu cet échange, eh bien, il vous sera proposé l'approbation des éléments formels, rapport par rapport, sous l'autorité du président Sauffin, puisque pour l'un d'entre eux, le président, selon la tradition, comme pour tous les maires, sortira de la salle, bien évidemment. Le 27. Voilà. Alors, en gros, vous savez que, basiquement, les questions en matière économique, c'est à quoi ça sert, comment ça fonctionne, combien ça coûte et qu'est-ce qu'on en fait. Eh bien là, c'est que retenir des comptes administratifs 2020. C'est la délibération qui vous est proposée dans le rapport en numéro 27, qui se traduira par une possibilité de rapport d'approbation des comptes administratifs. Quelles sont les affectations des résultats ? Ce sont les délibérations budget par budget de 28 à 32, avec l'approbation possible des affectations de résultats budget par budget. Lorsque nous aurons disserté et présenté les possibilités d'affectation, c'est une fois ceci fait, quelle photographie des budgets fin 2020 consécutivement à ces différentes affectations ? C'est la synthèse des délibérations des numéros 27 à 32. Et enfin, compte tenu des excédents du compte administratif, dont une partie résulte des éléments qui sont à réaliser et qui ont été décalés, quelles sont les mesures de soutien que Grand Chambéry peut adopter par rapport à la crise. Le détail des chiffres
très précisément et dans l'ensemble du rapport, avec les pages correspondantes. Je ne doute pas que ça ait été une lecture de chevet intéressante pour nous tous le soir à la veillée, avec tous les tableaux correspondants. Et donc, ils sont bien sûr à votre disposition dans les documents que vous avez. En réalisant l'ensemble du document de présentation, que peut-on dire du budget du compte administratif 2020 ? Alors, de ce compte, dans le budget général, il en résulte que la PPI 2020 a été engagée à plus de 80%. Je dis bien engagé, ça ne veut pas dire réalisé. Vous savez que compte tenu de la crise, un certain nombre d'éléments n'ont pas été forcément réalisés. Et les éléments de paiement ont été réalisés lorsque les factures ont été présentées et avec une accélération du rythme des paiements par les services comptables de l'agglomération ont été réalisés à 59%. On voit bien qu'il y a un ralentissement puisque dans une période similaire d'investissement, les crédits de paiement dans l'exercice antérieur étaient à 65%. Et ça, c'est la logique d'un décalage lié aux inerties de cette période un peu particulière depuis mars-avril 2020. Un taux de réalisation des charges générales qui est de l'ordre de 89%. Il était de 93% en 2019. On voit aussi là le décalage. Mais le différentiel entre 89% et 93% alimente aussi le résultat de clôture et l'excédent correspondant, puisqu'il y aura du reste à réaliser de manière importante en quelques millions d'euros. Les taux de réalisation vous sont donnés à l'intérieur du document, nature par nature, de façon à ce que vous puissiez les suivre. Et donc, il y a quelques éléments que vous retrouverez structurellement liés à la crise qui font que, de manière technique, forcément, pour certains, il y a plus de décalage. Par exemple, en matière de masse salariale, il n'y a pas de décalage. La réalisation est à hauteur de 98 et quelques pourcents, ce qui est parfaitement logique, puisque les collaborateurs ont travaillé d'une manière ou d'une autre, avec ou pas des mesures de ralentissement, mais les salaires ont été assurés. La maîtrise de la masse salariale a été réalisée dans ce budget et matérialise une augmentation de 1,5% entre 2020 par rapport à 2019. Et on peut considérer que sur l'ensemble des critères ou du benchmarking, du résultat comparé à d'autres agglomérations, les ratios de Grand Chambéry sont sains et correspondent aux attentes de nos tutelles administratives et comptables, avec une capacité de désendettement qui a été ramenée à 10,55 ans, mais qui intègre une situation qui est théoriquement celle d'une fin de cycle. Lorsqu'on est dans ce ratio de 10 ans à peu près, ça signifie pour une collectivité qu'elle a beaucoup investi et qu'elle a donc forcément des résultats liés à son endettement qui sont un peu plus longs à amortir et à sortir la tête hors de l'eau que quand elle commence un cycle d'investissement. Et donc on est dans un ratio appréciable de 10,55 ans, un peu plus de 10 ans, la limite tolérée étant en général 12 ans. Budget par budget, le budget des déchets qui est, je vous rappelle, intégré au budget général, même si dans l'avenir il s'analysera un peu plus comme un budget annexe, les équilibres du budget déchets vont, tels qu'ils sont constatés fin 2020 et tels qu'ils s'orientent en 2021, ils vont nous permettre la mise en place d'un plan d'investissement soutenu de plusieurs millions d'euros. Et donc ceci, en liaison avec la vice-présidente, va nous permettre de faire évoluer la qualité et le service et les modalités du service avec une capacité budgétaire pour y faire face. Ça permettra aussi d'accompagner Savoie Déchets dans les enjeux qui sont majeurs pour ce syndicat mixte et qui va être confronté au cours de la mandature avec des modifications de structure, avec des modifications de nature de production de déchets et de productions annexes. Ces investissements seront possibles compte tenu de la qualité du budget qui est en place. Et ça permettra aussi d'étudier un ajustement du financement. Ce travail sera mené durant le deuxième trimestre par les deux vice-présidents en charge et avec une mise en œuvre, une prise de décision dès 2022 au plus tard. Sur le budget annexe transport, c'est un budget qui, vous l'avez constaté, visuellement
est un budget qui est impacté massivement par la crise sanitaire, avec une baisse de 40% des produits de la tarification, moins un peu plus de 2 millions non perçus, et 4% de produits de versement transport en diminution. C'est donc un budget qui avait là aussi un excédent qui avait été préservé, conservé, et cet excédent permettra de faire face pendant une année ou deux, mais pas au-delà, à cette situation de crise, puisqu'il est impacté à la fois par le versement et mobilité et à la fois par la fréquentation et l'utilisation. Enfin, la mobilisation du résultat antérieur va permettre de ne pas déstabiliser ce budget, lui permettre de continuer, de poursuivre, parfois même d'adapter les services rendus à nos concitoyens. J'ajoute que nous avons, Grand Chambéry bénéficie d'un soutien de l'État, mais qu'on ne se leurre pas, il s'agit d'une avance. Ça peut s'analyser comme un prêt à taux zéro, c'est donc pas une subvention. C'est quelque chose qu'il faudra rembourser à moyen terme et donc quelque chose qui n'est pas un produit réel, qui est une avance qui nous facilite en trésorerie, certes, mais qui n'est qu'un effet de trésorerie. Et la clôture des comptes, forcément, au 31-12-2020, n'intègre pas le travail qui a été conduit, notamment avec le vice-président en charge des mobilités, pour tenir compte des adaptations avec notre délégataire, puisque la situation s'arrête au 31-12-2020 et n'intègre pas les éléments négociés au cours du premier quadrimestre 2021. Régie de l'eau et de l'assainissement, en synthèse, on peut considérer que ces budgets ont été au rendez-vous de la crise sanitaire. Il n'y a eu aucune interruption de fonctionnement des services, ni en production, ni en tenue en état, ni en mécanisme de collecte ou de traitement des eaux. Tout a été maintenu, les services sont parfaitement performé, et donc ce service est en capacité, avec des ratios favorables, de mettre en place un plan d'investissement important, à la fois sur le domaine urbain, sur le secteur urbain, et à la fois sur le domaine rural. Je vous rappelle que, pour qu'il n'y ait pas de confusion, ce budget-là ne doit pas intégrer réglementairement tout ce qui a trait à des budgets d'eau, de ruissellement ou d'eau pluviale. Et donc, c'est un budget de tarification de vente d'un produit avec ses investissements et ses ratios, mais en aucun cas la partie eau pluviale n'émarge dans ce budget-là. Elle émargerait, selon les décisions que nous prendrons pour tout ou partie, elle émargerait ou elle émargera dans le budget général. Pour le partie encore existante du budget OM des Bauges, qui est une spécificité liée au fonctionnement des 14 communes des Bauges antérieurement, jusqu'à ce qu'il perdure, c'est-à-dire sans doute pendant encore une année ou deux, selon les décisions conjointement élaborées avec Madame la vice-présidente et la partie du service budgétaire, nous conserverons ce budget encore pendant un certain temps. C'est un budget qui a été exécuté conformément aux prévisions. Il n'y a pas de surprise, pas de surcoût, pas d'atténuation importante. C'est un niveau de ROM qui est fixé à son aspect appréciable pour le moment, quantifiable au plus juste. Et enfin, un plan de conteneurisation qui a pris quelques mois de retard. Les premières communes seront reconteneurisées à partir du 1er juillet 2021. Et une décision interne au service devra faire sa planification pour permettre la déclinaison du programme. Que retenir des comptes administratifs 2020 ? Eh bien, globalement, au détail près, qui sont à l'intérieur des documents que vous avez, qui sont spécifiquement détaillés de manière importante, le taux d'exécution reste correctement positionné malgré la crise et les effets de ralentissement, les effets de freinage ou les effets d'inertie liés à cette période particulière avec nos partenaires ou les différentes entreprises qui avaient les marchés. Une qualité des services publics intercommunaux qui a été sauvegardée, maintenue et pour laquelle il faut saluer le travail de nos collaboratrices et de nos collaborateurs qui ont permis de continuer à desservir nos populations, nos territoires de manière importante sans qu'il y ait une baisse de la qualité du service public mis en œuvre.
Partant de là, puisqu'il y a des résultats, quelles affectations peut-on envisager ? Alors, à l'aune de cette affectation, il y a un certain nombre de principes qui sont les perspectives repérées, estimées devant nous. Un, c'est une affectation qui sera forcément prudente et raisonnée. Nous, et on n'est pas les seuls à le préjuger, les grands cabinets nous le disent, les services et les banques centrales le confirment. On sait que jusqu'au premier quadrimestre 2023, on a un certain nombre d'aléas de reprise. Et donc, il faut en tenir compte pour que les affectations puissent être à la fois prudentes et raisonnées. Il faut que ceci nous permette d'optimiser tous les leviers de financement. Ça veut dire continuer les économies de gestion. Ça veut dire, pendant que les mécanismes d'emprunt sont peu coûteux, parfois même négatifs, avec des taux d'emprunt moins quelque chose, il faut peut-être conserver son excédent, son épargne, pour pouvoir faire face à des aléas ou pouvoir atténuer un besoin d'emprunt, mais ne pas se priver d'emprunts qui nous coûtent vraiment pas cher. Dans un souci de ne pas grever les marges de manœuvre futures, nous le verrons plus en détail avec les différents volumes et les différents quantums budgétaires de Grand Chambéry. Ça va nous permettre, sur ces excédents, d'avoir, j'allais dire, un soi-soi, deux possibilités. Soit d'être sécurisé par rapport à un risque de non-perception de produits fiscaux avant un horizon qu'on ne maîtrise pas en 2021, 2022 peut-être, 2023 peut-être pour partie, mais ça nous permet aussi, si besoin était et qu'on en sente l'utilité et qu'on le décide, de pouvoir autofinancer d'une part de nouveaux investissements, mais de poursuivre le remboursement des emprunts et des investissements qui ont été mis en œuvre antérieurement, qui se poursuivent actuellement et pour lesquels un certain nombre sont en cours et pour lesquels il faudra bien faire face aux différentes échéances. Ceci nous permettra aussi de faire face à l'atténuation des pertes fiscales et tarifaires. Pertes tarifaires, c'est le cas notamment d'un certain nombre de nos outils d'équipement d'agglomération. C'est vrai aussi en matière de mobilité ou de transport, mais c'est vrai aussi en matière de pertes fiscales, puisque avec le décalage d'un an entre la perception des bilans, l'atténuation d'un certain nombre d'éléments comptables, les entreprises vont avoir, le monde entrepreneurial va avoir un décalage et les pertes fiscales se feront aussi ressentir de manière importante, les pertes fiscales pour l'agglomération, se feront réellement ressentir aussi en 2021 et sans doute encore en 2022. Enfin, ce mécanisme d'excédent nous permet de mettre en place un plan d'action ajusté le plus possible, par discussion notamment avec les vice-présidents de l'exécutif et les commissions, mettre en œuvre un plan d'action de crise destiné à soutenir à la fois nos partenaires extérieurs, nos associations et les différents partenaires qui fonctionnent avec Grand Chambéry. Alors, si l'on voulait aller à un tableau de synthèse que vous avez par ailleurs dans le document, sous différentes formes et sous la forme qui vous est présentée, le tableau de synthèse, c'est celui-ci. Un budget général, c'est la première colonne. C'est la première colonne. Le budget général, l'eau potable, l'assainissement, le transport, le spécifique OM Bauges, la clôture de 2020 avec son cumul en fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, qui est notre obligation administrative à combler, à faire face avec les excédents, l'affectation proposée en recettes d'investissement et le report du solde en résultat de fonctionnement à reprendre en budget supplémentaire. L'ensemble du tableau vous donne donc les éléments qui font apparaître que nous bénéficions d'un excédent de 22 millions, lesquels, on va le voir, sera à décliner selon trois grands items qui nous permettront de faire face aux obligations de notre agglomération et à ses risques. On y va. Voilà, donc vous retrouvez la photographie des budgets à fin 2020,
avec les capacités de désendettement correspondants. Vous voyez qu'un budget général hors déchets est à 161 millions. Retraités sans la dette portée, facturée à CGLE, c'est le mécanisme retenu par nos tutelles, il s'établit donc à presque 158 millions, avec une capacité de désendettement, j'allais dire une espérance de vie de 10 ans, d'un peu plus de 10 ans, une épargne brute qui est le ratio auquel l'agglomération doit le plus s'approcher pour continuer à être crédible si demain elle veut continuer à investir, notamment dans le cadre des projets d'agglomération, un ratio d'épargne brute qui est autour de 14-15 millions, en fait entre 12 et 15 millions, des dotations aux amortissements qu'il faut donc prévoir pour l'avenir à hauteur d'un peu plus de 5 millions et des résultats de clôture tels qu'ils apparaissent ici. Budget par budget, vous voyez que du côté des déchets, c'est similaire. En eau potable, c'est un mécanisme similaire, toute proportion gardée. En assainissement, proche de l'eau potable, similaire. En matière de transport, un mécanisme qui nous permet de faire face dans un premier temps à un mécanisme de crise important, impactant pour le service et impactant pour les décisions d'ajustement que nous aurons à prendre. L'OM Bauges n'est anecdotique que parce qu'il est chronologique, relativement peu important par aux autres, et qu'il est appelé à disparaître dans l'année 2021 ou dans l'année 2022. Voilà donc la photographie des budgets Grand Chambéry fin 2020, tel qu'il se présente sur la partie Calais au compte administratif. Donc les éléments que nous venons de balayer, que vous retrouverez facilement à l'intérieur du document qui vous a été remis ou transmis. C'est des ratios qui permettent sereinement d'envisager la mandature que nous avons ouverte, y compris avec les projets d'agglomération. Des résultats qui rendent possible aussi la réaction immédiate à un schéma de crise en direction de nos différents partenaires, qu'ils soient associatifs, ou qu'ils soient entrepreneuriaux, ou qu'ils soient à l'intérieur des services de l'agglomération. Partant de là, quelles mesures de soutien de Grand Chambéry face à la crise ? Alors, on va rappeler les axes prioritaires d'intervention. On rappellera le schéma de crise numéro 1, sa consommation et ses volumes, le contour d'un schéma de crise numéro 2 proposé, la déclinaison des dispositifs de crise par thème, le schéma par rapport au budget général et le schéma de crise par rapport à l'un qui est spécifique et qui est impacté immédiatement, c'est le budget transport. Les axes d'intervention, vous les connaissez, vous les pratiquez, vous y participez, vous les élaborez, c'est l'économie, le tourisme, le commerce, la politique de la ville, les solidarités, le soutien des délégations de services publics, le soutien aux acteurs concourant au rayonnement d'agglomération. Ceci nécessite de coordonner l'ensemble des interventions à travers les commissions, l'exécutif et les vice-présidents. Le rappel du schéma de crise numéro 1, vous donnez pour le budget général un montant d'un peu plus de 5 millions en 2020, une enveloppe pour un budget de crise immédiat à cette époque qui était d'à peu près 660 000 euros, une enveloppe de 4,6 millions pour financer le soutien aux filières tourisme, le soutien aux filières économiques, le soutien aux filières touristiques, le soutien aux filières mobilité, le soutien aux filières d'économie sociale et solidaire, le soutien aux filières de politique de la ville, le soutien à l'urgence climatique et aux mobilités, le fonds d'avance coordonné avec la région et les ajustements prévisionnels pour perte de risque supplémentaire à hauteur d'un million. Le budget transport, c'est financer un schéma cyclable qui a été renforcé. Ce sont les dotations que vous connaissez, à hauteur d'une part de 300 000 euros en 2020, soit 800 000 euros au total. Une dotation de 500 000 euros par an, soit un total d'1,1 million de 2021 à 2024. Maintenir l'offre de services de transport en commun. Couverture des pertes par l'activation des résultats de clôture qui le permettent avec ses excédents. Le bilan, c'est 4,4 millions fléchés en réponse à la crise, 1,8 million sur le budget général, 1 million en attente de versement sur le budget général du fait de négociations à cette époque-là pas abouties, 1,6 million qui ont été prélevés sur les résultats de clôture 2019 pour faire face à la crise, notamment pour le budget transport.
Le contour du schéma de crise numéro 2, il nous amène forcément à sécuriser le fonctionnement de la collectivité, anticiper le risque de perte fiscale, le sécuriser en ayant la capacité de le prendre en compte dans nos excédents de comptes administratifs, autofinancer les investissements déjà engagés et compléter, si c'est le cas, à la marge, ceux qui pourraient l'être, et aider les partenaires de Grand Chambéry à surmonter la crise. Ce qui veut dire que ce schéma de crise à hauteur de 25,3 millions, c'est 22 millions pour considérer que 9 millions pour compenser les pertes fiscales tarifaires d'ici d'ici la fin du mandat. On estime que jusqu'en 2023, le croisement des informations, y compris avec la DGFiP, nous amène à penser que la perte de perception de recettes fiscales va s'établir entre 7 et 11 millions. Nous avons donc pris un mécanisme moyen, pas le plus bas, mais pas le plus haut, de façon à considérer qu'il y avait une précaution à prendre à hauteur de 9 250. Les 250, j'ose pas dire que c'est la petite monnaie, mais c'est de l'ajustement budgétaire pour tomber sur les chiffres. C'est 9 millions, ou c'est 10 millions, ou c'est 8 millions 5, mais c'est cet ordre de grandeur-là qui nous permet de sécuriser l'absence de perception fiscale. 8,3 millions pour autofinancer les investissements qui sont déjà engagés et qui se poursuivront en 2021, et 4,8 millions pour aider les partenaires de l'agglomération à surmonter la crise en 2021. Ça veut dire qu'il faudra mobiliser aussi le résultat de clôture du budget transport, qui ce résultat est à hauteur de 3,1 millions, pour lui permettre de taper, j'allais dire, dans cette butte ou dans ce stock ou dans cette réserve ou dans cet excédent pour pouvoir passer la crise en utilisant quelque chose qui lui sert non pas de réserve mais qui lui serve de possibilité de faire face à la crise. Partenaires externes, vous retrouvez le focus des enveloppes, 4,6 millions sur le budget général, 3,1 millions sur le budget transport, plus 500 000 € par an complémentaire d'investissement. Déclinaison des dispositifs de crise par thématique. Alors, j'ose pas dire que M. Prévert est pas loin, mais l'État a mis en place un certain nombre de dispositifs. La région et la collectivité attribuent des aides directes. D'ailleurs, il est à remarquer que nous aurons un travail complémentaire à faire en liaison avec un certain nombre de communes, dont la ville-centre et dont les partenaires institutionnels économiques, parce que on s'aperçoit qu'un certain nombre d'entités économiques n'ont pas mobilisé ou n'ont pas demandé ou n'ont pas activé un certain nombre de possibilités d'exonération fiscale, soit que l'État a mis en place, soit que les collectivités avaient déjà voté et qui n'ont pas été activées. Ça sous-entendra peut-être qu'il y ait une discussion technique avec un certain nombre de cabinets conseils ou de cabinets d'expertise comptable pour être sûr qu'ils n'ont pas oublié d'utiliser un certain nombre de leviers qui leur sont profitables et que pour les collectivités territoriales que nous sommes, intercommunales ou communes, nous aurons sans doute à synchroniser des éléments de décision complémentaire à condition que nous ne rations pas les échéances de décision pour que ceci puisse être actif avec des décisions prises avant septembre 2021 pour qu'elles puissent bénéficier selon la nature des possibilités, qu'elles soient de commerce, de tertiaire, industriel, qu'elles soient mises en œuvre ou pas par les différents partenaires que sont à la fois le monde économique et les collectivités territoriales. Schéma de crise toujours, le détail vous est donné, mobilisé pour la poursuite de 222 000 € pour la poursuite du soutien au fonds de région unis portés par Rhône-Alpes, qui a été déjà délibéré le 14-5, c'est le résultat du chiffrage, mobilisé 343 000 de soutien aux acteurs économiques, soit par le biais de fonds dédiés, soit par le biais d'exonérations fiscales temporaires, dont l'action doit être concertée et conjointe avec les 38 communes. En effet, certains leviers sont utilisables strictement par les communes, d'autres par l'intercommunalité et d'autres ne peuvent pas être que le seul fait de l'intercommunalité et doivent être portés à due proportion, à due mécanisme de relativité entre les communes et l'agglomération.
mobiliser 60 000 euros pour le soutien aux acteurs de l'hébergement et de la restauration, redevables à la redevance spéciale, ce qui a déjà été délibéré en atténuation. Mobiliser 120 000 euros pour le soutien aux acteurs de la restauration, redevance spéciale aussi à nouveau, de façon à ce que ce puisse être actif. Déclinaison en matière de filière, vous les retrouvez ici. Elles sont contenues aussi dans le texte que vous avez. Schéma de crise 2 555 000, 936 000 à l'événement institutionnel ainsi que le soutien aux clubs sportifs contribuant au rayonnement de l'agglomération. Le vice-président en charge tout à l'heure vous exposera une délibération qui reprendra les quantums, les montants et les modalités qui sont mises en œuvre après des discussions, des concertations, des rencontres pour qu'il y ait une vraie aide quand c'est besoin, qu'elle puisse être différée quand le besoin n'est pas immédiat et que nos collatéraux puissent compter sur nous quand ils en auront besoin, à condition qu'on ait bien sûr vérifié la véracité du besoin. 296 000, c'est le PEX pour solder les comptes 2020 qui a été délibéré le 15-4. C'est un outil de DSP. Cet outil de DSP en exsangue en trésorerie peut se trouver en cessation de paiement et donc... techniquement quasiment en faillite et donc il y a eu besoin d'injecter. Je vous rappelle que dans ce cadre-là, Grand Chambéry a décidé d'honorer la prestation faite par le vaccinodrome par la mise à disposition de salles en considérant que c'était une prestation qui était réalisée par notre délégataire et qu'il convenait qu'il y ait une facturation et que cette facturation soit honorée par Grand Chambéry, ce qui est une façon aussi de considérer que ce que nous mettrons là en payant une prestation ne sera pas quelque chose à mettre sous forme d'une subvention qui serait elle aussi destinée au même opérateur. Ensuite, le tourisme 323 000, délibéré le 11-02, mobiliser 1 million au titre de l'avance à SMSB pour la reconversion toute saison, déjà délibéré le 11-02. C'est une avance qui est faite avec un droit de tirage selon les délibérations de SMSB pour aider au mécanisme de conversion d'une activité toute saison sur le territoire couvert par SMSB. Politique de la ville, vous retrouvez dans le schéma de crise, mobiliser 70 000 euros au titre de la politique de la ville, redéfinir le cadre d'intervention des correspondants de nuit, ce qui amènera forcément des révisions budgétaires à l'intérieur de ce schéma de crise. Sur la solidarité et l'aide alimentaire, à ce stade, une proposition d'action à hauteur de 6 000 euros par la création d'un point de distribution de l'aide par la FOL. Il y aura sans doute d'autres sollicitations au fur et à mesure, mais donc cette capacité d'excédent nous permettra d'y faire face. J'allais sauter la partie emploi-insertion, la proposition d'un certain nombre d'actions à l'intérieur de, pour mobiliser à hauteur de ce qui a été estimé pour le moment à 25 000 euros. Ensuite, mobiliser dans le schéma cyclable à hauteur d'1,1 million par an de 2021 à 2024, ce qui a déjà été délibéré. Mobiliser la totalité du résultat de clôture, c'est-à-dire en fait affecter l'excédent de façon à ce que la compétence opérationnelle et le vice-président aient un budget qui lui permette de fonctionner sans avoir à solliciter d'autres budgets, au moins pour le moment, en année 2021 et sans doute aussi en 2022, de façon à ce que ce service soit épaulé, même s'il faut quand même surveiller de près ce que notre délégataire fait, parce que les comptes doivent être justifiés, c'est de l'argent public, et donc il convient de les injecter, pas simplement avec parcimonie, mais avec cohérence et efficacité. Le troisième aspect, c'est mobiliser ce qui a été reconduit pour le dispositif d'aide à l'achat de VAE. Les autres actions, des réponses complémentaires, proposition mobiliser 1 million pour le financement du vaccinodrome, c'est ce qui nous a été possible d'apprécier en coût de fonctionnement
en coût de fonctionnement, à mise à disposition des salles, mesures sanitaires, achat de matériel nécessaire à la mise en œuvre des techniques paramédicales, surveillance informatique. Et donc, le coût d'objectif est de l'ordre de 1 million d'euros. Nous en connaîtrons le montant exact à la fin, sans doute, du dernier quadrimestre 2021, si tant est que ça ne s'accentue pas, si ça ne perdure pas de manière plus intense. Voilà. Synthèse des soutiens aux partenaires externes dans le budget général. Vous retrouvez les différents montants qui vous sont là et qui sont reportés, qui s'intègrent à l'intérieur de cette enveloppe budgétaire de 4,6 millions et qu'on vient de passer rapidement en revue. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on pouvait retenir en synthèse des différents éléments. Bien évidemment, les collaborateurs et moi-même sommes à votre disposition pour les questions que vous auriez à poser, liées soit aux documents qui vous êtes transmis, soit aux explications de synthèse qui ont pu vous être fournies. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation exhaustive. Et merci au service aussi pour le travail réalisé. Oui, effectivement, est-ce qu'il y a des questionnements, des besoins de précision, je suppose, hein. Vous l'avez vu, on arrive à un résultat de clôture qui est équivalent à celui de fin 2019. Donc on a conservé cette capacité, comme l'a expliqué le vice-président. Et c'était un choix assumé de conserver cette réserve, entre guillemets, hein, voilà, et puis de pouvoir donc faire face à aussi ce qui nous attend, mais honorer nos investissements, les décisions déjà prises, et puis certainement aussi d'avoir une capacité, puisqu'on est en train de réviser notre projet d'agglomération, et certainement de pouvoir honorer certaines actions qui vont nous tenir à cœur et qu'on va considérer comme prioritaires. Voilà, je vous laisse la parole s'il y a des demandes de précision. Pardon. Oui, le Repentin. Monsieur le Président, moi j'ai des demandes effectivement de précision parce que je ne suis pas membre de la Commission des Finances, donc j'imagine que tout le monde a une description très très précise de chacune de ces lignes et que tout le monde a compris ce qu'il y avait derrière. Moi, je voudrais simplement savoir, parce que les choses sont passées vite, j'ai noté une ligne de 900 000 euros, événementiel institutionnel et soutien au club pro. Alors, soutien au club pro, je comprends, je crois que c'est de l'ordre de 100 000 euros, de mémoire, s'il y a une délibération qui arrive un peu plus loin, mais le reste de l'événement institutionnel, ça recouvre quelle réalité? Et par ailleurs, dans des propos... Qui nécessite peut-être d'être clarifié. J'ai entendu dire qu'il y aurait aussi un travail pour voir dans quelle mesure l'agglo pourrait répondre à l'accompagnement des entreprises qui ont eu des difficultés au cours des derniers mois, notamment sur des dispositions législatives qui ont été votées par le Parlement qui permettent à des collectivités locales de pouvoir alléger la fiscalité, notamment des petites et moyennes entreprises. Donc on a eu plusieurs échanges sur ce sujet. Faut-il comprendre dans la présentation qui nous est faite qu'il y a une réponse positive qui est apportée à cette demande? Je pense qu'on est allé trop vite pour comprendre si la réponse est positive ou négative. Vice-président, apporte une première réponse et puis je compléterai. Alors, la réponse de principe est positive. Elle sous-entendra, je déposerai, elle sous-entendra que entre les communes qui ont la capacité de décider en cette matière-là, elles se synchronisent, que nous vérifions ensemble que les partenaires économiques ont bien activé déjà les leviers existants, et si nous devons adopter conjointement des atténuations de fiscalité ou de parafiscalité, soit parce qu'elles relèvent de l'agglo, soit parce qu'elles relèvent des communes, soit parce qu'elles relèvent et de l'agglo
et des communes, nous les synchronisions et que nous nous mettions d'accord. Il me paraît souhaitable que ce soit fait d'ici fin juin par concertation réciproque, de façon à ce que les décisions puissent être actées et délibérées avant le mois de septembre pour bénéficier pour les acteurs économiques des possibilités et réglementaires et législatives. Voilà. Est-ce que monsieur le maire est satisfait du principe de la réponse ? Alors, l'événementiel. Alors. Et pour compléter, le travail est en cours sur ces hypothèses de fiscalité, d'exonération. Alors, au niveau de la commission finance, je rappelle juste que l'État apporte par ces exonérations, c'est de l'ordre de 5 millions d'euros déjà qui est exonéré sur l'ensemble des entreprises. Donc effectivement, l'État fait l'effort, nous on fait l'effort, les communes et l'intercommunalité. Pour la première partie de la question, par travail répétitif, j'allais dire itératif, avec notamment les délégataires de services publics, on a décodé qu'il y avait trois séquences de risques. La première, c'était la disparition de toute trésorerie et qu'on a estimé avec le vice-président et les contacts qu'il a eus, les négociations qu'il a eues, d'ici fin juin, premier stade, qui était une phase d'urgence, c'était la mise en œuvre de l'extincteur, si on peut faire une paraphrase. La deuxième, c'est que selon la façon dont les conditions de crise vont perdurer, et notamment s'il y a des prises de commandes et des prises de production pour l'événement, je pense au PEX particulièrement, que septembre, octobre, novembre soit un quadrimestre blanc. Il faudra donc certainement recharger et revoir la donne. C'est le deuxième volet. Le troisième volet, c'est que si on est dans la phase qui a été très difficile, premier semestre 2021, dernier quadrimestre 2021, il faudra se prémunir d'une possibilité d'intervention pour soutenir, la tête hors de l'eau du dispositif de Savoie Expo au-delà de l'année 2021. Donc il y a une partie de ce budget qui est réservée pour ce fléchage. Le deuxième, c'est que un certain nombre d'associations, de clubs partenaires vont avoir ou pas des difficultés similaires. Il a été convenu par discussion que le point serait fait avec eux, comme ça a été le cas pour notre principal délégataire fin juin, avec des situations comptables intermédiaires fin juin, courant juillet, mais dans un deuxième temps aussi en septembre-octobre, de façon à pouvoir ajuster. D'où le volume qui a été réservé en se disant par délibération, on se donne un volume qui sera immédiatement affectable s'il faut soutenir. Voilà. Est-ce que ça répond ? Alors précisément non, parce que je ne peux pas dire c'est tel club, tel montant. Certains nous ont sollicité, après plusieurs discussions, finalement, à hauteur de 2000 euros, ce qui n'est pas une difficulté en soi. D'autres à hauteur de 70 000 euros, ce qui était déjà plus compliqué et à justifier. Donc c'est tout ce travail de décryptage qui est conjointement mené avec le vice-président qui est en charge et avec les délégataires. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question ? Ça éclaire le caractère... Ça éclaire le caractère, on va dire, précautionneux de ce budget, car sur cette ligne précisément, donc pour faire le lien avec la délibération qui sera présentée plus tard, où je crois qu'on a un accompagnement qui est légitime à des clubs de l'ordre de 110 à 120 000 euros pour éponger la crise, comme on a une inscription de l'ordre de 900 000, ça veut dire qu'on a quand même une cagnotte, mais en tout cas une réserve, dont on n'est pas sûr qu'elle sera utilisée.
et sur lesquelles on pourrait être vigilant pour la redispatcher sur éventuellement d'autres secteurs, si je comprends bien. J'avoue que si on pouvait éventuellement l'an prochain avoir la discussion au bureau des maires sur le document qui nous est transmis, ça nous permettrait de mieux comprendre et éventuellement de poser des questions de précision plutôt que de le faire en conseil communautaire, parce que franchement il y a beaucoup de choses qui sont passées. J'en ai capté une ou deux en passant, mais je ne suis pas sûr d'avoir complètement tout appréhendé positivement. Mais en tout cas, merci pour ces éclairages. Je complète le propos en disant que l'ensemble de ces éléments a fait l'objet d'une commission des finances qui a été nécessaire et longue, puisqu'elle a duré 3h30 à peu près, de façon à ce qu'on puisse, si nous étions en Savoie, faire de l'affinage sur les différents dossiers et touiller les différentes sauces en se disant, voilà, le risque est apprécié à tel niveau, tel niveau, tel niveau. Par contre, l'occurrence de sa chronologie n'est pas à ce jour connue. Voilà. C'est ce qui nous a amené à prendre, dans ce que tu as nommé, un mécanisme de précaution. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Question. Oui, monsieur le maire de Barbera. Oui, juste une remarque de fonctionnement. C'est vrai que si les documents étaient présentés en commission des finances, est-ce que quand il s'agit de documents financiers, on pourrait nous les envoyer bien en amont des 5-6 jours de délai réglementaire, de manière à ce qu'on puisse prendre le temps de regarder les documents, parce que là, vu la quantité de chiffres qu'il faut assumer, ça fait un peu beaucoup. Dans la mesure où, en plus, la présence de nos élus dans les commissions n'est pas toujours très importante, donc ça pourrait être pas mal. Merci. C'est une remarque, j'allais dire, récurrente. Elle s'est, d'expérience, heurtée à trois choses. Le premier, c'est que les documents qui sont des documents de travail se sont parfois retrouvés dans la presse avec des appréciations qui n'avait pas lieu d'être, puisque les élus n'avaient pas encore eu la possibilité de concerter et de délibérer. Premier aspect. Deuxième aspect, c'est que parfois, jusqu'au dernier moment, il y a un certain nombre d'éléments qui sont complétés, ajustés et quantifiés pour l'être de manière la plus sérieuse possible. Enfin, la présence aux commissions n'est pas une obligation, bien évidemment, mais le suivi des commissions permet, thématique par thématique, d'avoir la résultante qui est parfois celle du budget. Mais il n'y a pas d'opposition de principe à ne pas les envoyer avant. Voilà. Moi, je retiendrai aussi peut-être la proposition, tous les maires ne sont pas à la commission finance, et prendre le temps en conférence des maires de réexpliquer, parce que c'est lourd, c'est copieux, c'est précis, c'est normal, c'est ce qu'on demande aux finances, mais j'avoue que oui, en tant que maire, c'est une proposition qu'on pourrait retenir, en tout cas. Si j'ai une proposition complémentaire à ajouter sur ce domaine-là, qui n'est que pédagogique, bien évidemment, et qui est liée à du travail, c'est qu'il y ait un mécanisme de partage étroit, technique, entre chaque maire et chacun de ses adjoints aux finances ou de son représentant à la commission des finances, de façon à ce qu'il n'y ait pas de divergence ou d'interprétation ou de lecture ou de conceptualisation, ce qui nous amène parfois à des surprises. Bien. Autre intervention ? Non ? Eh bien, on va passer au vote. Alors, le premier, c'est le rapport. Le premier rapport. Le 26, c'est moi qui vais le faire, puisque c'est la, on va dire, la compatibilité entre ce compte administratif et le compte de gestion, la cohérence avec le compte que tient le trésorier principal. Vous connaissez bien ça dans les communes, sur ce compte de gestion qui doit être à l'identique de celui de la collectivité. Et donc, on a délibéré d'attester que les comptes de gestion de Grand Chambéry du budget général, des budgets des régies de l'eau potable et de l'assainissement, du budget des ordures ménagères, des Bauges et du budget annexe transport dressé pour l'exercice 2020 par le trésorier principal municipal visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa
par... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. C'est simplement l'attester, la conformité, qu'il n'y a pas d'objection de la part du trésorier. Le deuxième, c'est la délibération auquel le président ne participe pas. Donc, il est dehors. Ah, pardon. Donc, on va commencer par celui-là, sur l'approbation des comptes de gestion 2020. Donc, je le soumets à votre délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Non plus. Et le deuxième, donc le suivant, qui est le 27, je vais effectivement sortir, et c'est le vice-président qui vous le fera délibérer. Hein ? Bien, le rapport donc numéro 27 vous propose d'adopter les comptes administratifs 2020 de Grand Chambéry, déclarés conformes aux comptes de gestion du trésorier principal municipal pour ce que vous avez en détail par ailleurs, le budget général, le budget annexe transport, le budget de la régie eau et de l'assainissement et le budget des ordures ménagères des Bauges. Voilà, il est soumis à votre approbation. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre. On considère que c'est une adoption à l'unanimité. Je vous en remercie. Le président peut revenir à l'abri. Pendant que le président s'installe, la délibération numéro 28, qui est l'affectation des résultats tels qu'ils ont été déclinés, c'est la 28, c'est la 29, c'est la 30, c'est la 31 et c'est la 32 qui correspondent à chacun des budgets annexes qui ont été déclinés avec les montants et les volumes. Y a-t-il des objections, des abstentions, des votes contre ? Pas. On considère donc que c'est une adoption à l'unanimité. Président, pour la délibération numéro 33. Schéma d'orientation de crise. Oui, schéma d'orientation de crise. Donc, pareil, je le mets au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus, merci. Et ben voilà, on a terminé pour le volet finance, c'est ça ? Oui. Non, il reste les budgets supplémentaires. Pardon. Comment ? Le 34. Ah, le 34, pardon. Le budget 34. Supplémentaire 2021. Les budgets supplémentaires reprennent la déclinaison de ce qui a été évoqué. C'est le résultat induit des éléments présentés. Et c'est cette délibération en détail entre la page 1.15 et 2.15 du rapport qui vous est proposée compétence par compétence avec les lignes comptables et les lignes d'écriture correspondantes qui est proposée à votre approbation et ce qui fondera le budget supplémentaire de Grand Chambéry après votre délibération. Bien, eh ben, je le soumets à au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Merci et merci pour votre confiance sur le compte administratif 2020. Bien, on passe au rapport 35 qui concerne la subvention 2021 allouée. Merci, monsieur le vice-président. Merci, madame la directrice, pour ce travail. Donc, la 35, je disais, qui concerne la subvention 2021 allouée au club sportif concourant au rayonnement de l'agglomération, complétée d'une aide exceptionnelle dans le cadre du plan de relance. Et je demande au vice-président Alexandre Gennaro de nous faire cette présentation. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Concernant la saison sportive 2021-2022 à venir, il convient de tenir compte des éléments ci-dessous. La situation sanitaire touche durement le milieu associatif et professionnel sportif, avec notamment de grandes craintes pour l'équilibre financier des clubs pour la saison en cours 2020-2021, mais surtout pour la saison 2021-2022. Beaucoup de clubs ont subi des contraintes du fait de la fermeture des installations sportives et se retrouvent face à des licenciés souhaitant un dégrèvement du prix de la licence. La non-réalisation des compétitions et d'événements organisés par les clubs et les risques de perte de partenaires fragilisent la situation financière des clubs avec un manque de trésorerie pour le début de la saison 2021-2022. Des demandes de soutien financier exceptionnelles sont exprimées par certains clubs dans ce contexte de crise. Les fédérations sportives ont géré de manière différente leurs compétitions, certaines ont été annulées, d'autres maintenues, mais sans forcément de montée-descente.
Aussi, il semble opportun d'adapter le dispositif de soutien au club en dérogeant au calendrier habituel du vote de ce dispositif. En avançant le calendrier d'attribution afin de sécuriser financièrement les clubs en cette fin d'année sportive 2020-2021 et pour le début de la saison 2021-2022. En reconduisant le dispositif à l'identique en ce qui concerne les clubs retenus et le montant versé, sans tenir compte d'éventuels aléas sportifs non représentatifs au regard de l'année sportive particulière qui s'achève. En abondant, à titre dérogatoire, le dispositif d'une aide spécifique exceptionnelle accordée à tous les clubs dans le cadre du plan de relance mis en place par l'agglomération, selon les critères suivants, qui s'apprécient sur la base du statut juridique des clubs en vigueur en 2020-2021. Pour les associations sportives, donc une aide exceptionnelle à hauteur de 30% maximum du montant versé dans le cadre du dispositif. Et pour les sociétés sportives, nous n'en avons qu'une à ce jour recensée sur la saison 2020-2021, une aide exceptionnelle à hauteur de 50% du montant versé dans le cadre du dispositif. Vous avez sur la délibération la répartition avec l'aide supplémentaire exceptionnelle et les différents montants. Donc il est proposé de verser les subventions aux associations en deux temps, un acompte de 70% une fois les conventions signées courant du mois de juin 2021. Cela permettra justement aux clubs qui sont dans des situations financières délicates de pouvoir avoir un surplus de trésorerie dès la rentrée, alors que d'habitude on délibérait sur le dernier trimestre de l'année et du coup il n'avait que 70% du montant sur la fin de l'année 2000, sur la fin de l'année ou sur le début de l'autre année, et un solde de 30% en décembre 2021. La subvention de du Chambéry Savoie-Mont-Blanc-de-Bâle sera quant à elle versée en une fois en juillet 2021. Les crédits sont disponibles au budget primitif 2021 et donc je vous propose d'approuver la répartition de l'enveloppe financière allouée au dispositif sport et rayonnement pour la saison 2021-2022, complétée de l'aide exceptionnelle attribuée dans le cadre du plan de relance mis en place par Grand Chambéry, selon les modalités définies ci-dessus, et d'autoriser le président ou son représentant à signer les conventions y afférentes. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Est-ce qu'il y a des interventions ou des demandes de précision concernant cette proposition? Non, on ne voit pas. Très bien, je le mets au vote. Cette délibération telle qu'elle a été présentée, est-ce qu'il y a des oppositions? Non, des abstentions? Non plus, merci beaucoup. C'est adopté à l'unanimité. Ensuite, on passe au rapport 36 qui concerne une convention relative au financement d'un programme d'études pour le développement de l'offre TER sur le territoire de Métropole Savoie. Et c'est le vice-président Alain Caraco qui va nous faire cette présentation sans note. Merci, monsieur le président. On va faire ça en fait en deux temps. Il va d'abord y avoir une présentation du projet, on va dire en amont même du rapport par Éric Lux, le directeur de la mobilité, puis ensuite je viendrai vous présenter le rapport. Merci, monsieur le vice-président, mesdames, messieurs. Je vais essayer de faire rapidement cette étude. Elle a notamment pour vocation de regarder la faisabilité et les conditions dans lesquelles une offre ferroviaire pourrait se mettre en place sur l'espace Métropole Savoie, et plus particulièrement entre Aix-les-Bains, Chambéry et Montmélian. Quelques données globales sur les mobilités sur notre territoire. Métropole Savoie, c'est à peu près 1 million de déplacements par jour. C'est ce que nous dit l'enquête ménage qui a été réalisée en 2007. Cette enquête ménage qui sera d'ailleurs, ce sera l'objet d'un prochain vote sur un prochain conseil communautaire. Ces données seront mises à jour dans le cadre d'une nouvelle enquête ménage puisqu'elles sont, elles sont maintenant anciennes. Les enseignements nous montrent que sur ce million de déplacements quotidiens, c'est un peu plus de 4 déplacements par habitant sur le territoire, plus de la moitié sont réalisés sur le territoire de Grand Chambéry.
80% concernent des déplacements internes d'une commune de Chambéry, de Grand Chambéry vers une autre commune de Grand Chambéry, et 20% sont des déplacements un peu plus longs, qu'ils soient depuis ou vers les territoires directement voisins et contigus, Grand Lac et Cœur de Savoie, ou que ce soit des territoires un peu plus éloignés, Lyon, Grenoble par exemple. Sur ces déplacements un peu plus éloignés, 90% sont réalisés en voiture. Quand on est sur des déplacements plus courts, donc ceux qui sont internes à Grand Chambéry, on est plus proche de 2/3 de déplacements réalisés en voiture, ce qui nous montre qu'on a une perspective de captation de ces déplacements sur les transports collectifs très important, puisque en 2007, 7% pour notre agglomération des déplacements étaient réalisés en transport collectif urbain avec le réseau de bus et 4% avec le réseau ferré. Alors, à ces déplacements-là qui sont d'ores et déjà captables par des réseaux de transport collectif sous réserve qu'ils soient suffisamment attractifs, on ajoute la population supplémentaire qui devrait être accueillie sur l'espace métropole Savoie, puisque le SCOT prévoit que à peu près 100 000 habitants à l'horizon 2040 supplémentaires résideront sur ce grand territoire de métropole Savoie. Une partie non négligeable se situe à proximité d'une gare, dans l'espace des 800 mètres à 3 km maximum, qui sont les distances intéressantes pour capter cette population. On a 66% de cette population qui se trouve dans cette zone d'attractivité d'une gare et 63% des emplois, puisque effectivement on aura là aussi pas loin de 40 000 emplois supplémentaires créés sur le territoire de Métropole Savoie à l'horizon 2040. Donc là aussi, un intérêt majeur à la captation de ces déplacements de moyenne distance, puisque effectivement, on a un territoire qui se prête à ça. Dans les différents documents de planification, que ce soit le PLUI HD adopté fin 2019 ou que ce soit le SCOT, un certain nombre d'objectifs ont été clairement rappelés, qu'il s'agisse d'une meilleure articulation entre l'urbanisme et les déplacements et faire en sorte que les pôles préférentiels soient bien desservis par les transports en commun, que ce soit une meilleure coordination entre les transports en commun eux-mêmes. Et effectivement, il ne suffit pas de dire qu'un RER Combe de Savoie, l'appellation n'est pas forcément très heureuse, mais au moins on voit de quoi on parle, absorbera cette augmentation de population et permettra d'opérer un report modal vers autre chose que la voiture individuelle. Il faudra que les autres systèmes, que ce soit les transports en commun, que ce soit les aménagements cyclables et la pratique cyclable, que ce soit la voiture partagée, soient aussi mises en meilleure résonance avec ce système ferroviaire comme l'arrêt principal et l'armature de notre système de déplacement de demain. Aujourd'hui, on a une offre ferroviaire qui existe sur le territoire, qui est plutôt abondante. Elle a quelques limites, certes, mais en termes de nombre de trains, c'est un peu plus de 130 trains qui circulent tous les jours sur notre territoire, entre Chambéry et Montmélian notamment. Et aujourd'hui, l'une des limites que l'on peut rencontrer, c'est cette rupture de charge à Chambéry, c'est-à-dire qu'il y a peu de trains qui font directement Aix-les-Bains, Montmélian. Donc il y a un sujet de retravail du positionnement des trains sur les horaires de pointe notamment, et puis peut-être essayer de mieux les répartir pour que l'offre soit directe et qu'on n'ait pas à subir de rupture de charge. Le principe qui est proposé et qui est repris dans le cadre de cette étude, c'est donc de travailler sur une infrastructure qui est l'infrastructure existante. On ne crée pas forcément de lignes de train nouvelles, mais on essaye de diamétraliser les circulations un petit peu différemment pour ne pas proposer de rupture de charge entre Aix-les-Bains, Chambéry et Montmélian. On crée un certain nombre de haltes, je vais y revenir juste après, de sorte que l'idée serait d'avoir en heure de pointe un train tous les quarts d'heure sur les parties Cognien en direction de Saint-André-le-Gaz et Alpes-Passe en direction de Pontcharra et Grenoble, un train toutes les 30 minutes en heure de pointe, le besoin étant un peu moindre. Les haltes à créer sont au nombre de 4, une halte à Alpes-Passe, une halte à Chignien, une halte à Cognien et une halte à Vauglan. L'idée, elle est de permettre d'opérer du rabattement sur ces nouveaux points et donc de desservir une population bien plus importante qu'on ne peut le faire aujourd'hui. Et ça, c'est l'un des enjeux que cette étude aura à prendre en compte.
Cette étude, elle est sous maîtrise d'ouvrage de la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque c'est cette institution qui est l'autorité organisatrice du train sur notre région. Et elle sera confiée à SNCF Réseau, qui est le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, qui la confiera à un bureau d'études. Il faudra bien évidemment intégrer dans le sens aller, dans le sens retour, les autres éléments de réflexion actuels sur les systèmes ferroviaires à plus longue distance, qu'il s'agisse des réflexions sur le Lyon-Turin et notamment les accès français au projet de Lyon-Turin, mais qu'il s'agisse également d'autres projets qui peuvent avoir des impacts sur ce travail de RER de Combe de Savoie, que ce soit le travail dans le cadre du sillon alpin nord entre Aix-les-Bains et Annecy, que ce soit l'étoile ferroviaire grenobloise, qui aura également des conséquences sur les circulations de trains dans notre périmètre, mais aussi la requalification du segment Chambéry-Saint-André-de-Gaz. Le cahier des charges prend en compte les différents horizons et proposera des études sur lesquelles je vais revenir juste après sur le contenu, phasées dans le temps et calées sur les horizons des accès français du Lyon-Turin et du tunnel de base, c'est-à-dire qu'on aura un horizon court terme jusqu'à la livraison du tunnel de base à l'horizon 2030, un deuxième horizon moyen terme 2030-2035 jusqu'à la livraison des premiers éléments des accès français au Lyon-Turin et puis plus long terme après 2035 une fois les accès complètement livrés. Le contenu de l'étude, c'est comme on l'a déjà vu tout à l'heure, déployer un service de transport cadencé au quart d'heure en heure de pointe sur le segment Aix-les-Bains, Chambéry-Montmélian et toutes les 30 minutes sur la partie Alpes-Espace-Éconien, tout en maintenant la performance de l'offre TER. Il ne s'agirait pas de dégrader non plus par trop les moyennes, voire les longues distances, que ce soit Chambéry-Lyon ou des distances plus longues. Et puis améliorer la robustesse et la régularité des circulations, ça c'est plutôt un objectif SNCF, réseau SNCF Voyage. Le contenu de l'étude, il y a trois volets. Un volet exploitation qui permettra de diagnostiquer le fonctionnement existant de ce système ferroviaire dans la Combe de Savoie, de réaliser un certain nombre de scénarios qui seront étudiés en termes de faisabilité d'offres ferroviaires et d'exploitation, et puis de phaser les aménagements et les différentes évolutions d'offres possibles en fonction des services annuels ferroviaires. Un volet prévision de trafic qui permet d'affiner le potentiel captable, savoir effectivement est-ce que cette offre elle est raisonnable au regard des coûts que ça représente et de la population que l'on peut capter, quels sont les moyens qu'on se donne pour aller chercher les habitants et leur proposer d'utiliser ce système ferroviaire qui sera en meilleure connexion avec les réseaux de transport en commun et les autres systèmes de la mobilité. Et puis un troisième volet qui concerne l'aménagement des haltes, et donc là c'est regardé de manière plus précise comment et quand on arrive à rouvrir ou ouvrir ces nouvelles haltes ferroviaires. Donc ça fait un total de 480 000 euros pour cette étude, financée à 40% par la région, 20% par l'État, 20% par le département de la Savoie et à 20% par les collectivités locales, Métropole Savoie en prenant une partie, et le reste étant réparti au prorata de la population entre les trois intercos que sont Grand Lac, Grand Chambéry et Cœur de Savoie. Ça représente un peu moins de 40 000 euros pour cette étude à charge pour Grand Chambéry. Dernier élément de calendrier, cette étude elle est prévue pour commencer là, très rapidement et pour bénéficier d'un rendu et d'un livrable à la fin de l'année 2022. Voilà, Monsieur le Vice-président, j'en ai terminé. Merci beaucoup à Eric Lux pour cette présentation. Le rapport ne dit pas grand-chose de plus, sauf vous demander d'approuver la convention de financement pour lancer cette étude telle qu'elle vous a été présentée. Mais bien sûr, si vous avez besoin de précision, je suis là. Oui. Peut-être, si je peux rajouter un mot. Justement. Allez-y, allez-y. C'est quelque chose qui peut apparaître, on va dire, un peu nouveau dans le paysage français de l'usage du train pour du régional très courte distance, en gros sur le territoire de notre SCOT, c'est-à-dire Métropole Savoie, auquel s'ajoute l'avant-pays. C'est quelque chose qui existe en Suisse, en Autriche ou en Allemagne depuis plusieurs dizaines d'années, et y compris sur des territoires d'une surface et d'une population comparables à la nôtre. Donc voilà, je ne sais pas s'il faut employer le terme innovant, c'est innovant par rapport aux coutumes françaises.
même si SNCF Réseau a lancé une grande étude qui est sortie, je crois, à l'automne 2020, qui identifiait plusieurs dizaines de territoires en France où on pouvait envisager de faire ça, dont celui de Chambéry au sens tel que je vous l'ai décrit, c'est-à-dire le territoire du Scot plus l'avant-pays. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des interventions ou des questions ? Oui, pardon, Alexandre Généraux, pardon. Oui, j'aurais voulu savoir comment ont été choisies les haltes. Moi, j'aurais, en tant que maire de la commune de Laravoir, une question. C'est, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'inclure dans cette étude l'hypothèse de faire une halte à Laravoir au niveau de l'aire de grand passage, qui est aujourd'hui à l'entrée de notre agglomération, à immédiate proximité d'une sortie d'autoroute, ou en tout cas de sortie de voie rapide. Je pense que c'est un endroit stratégique qui aurait le mérite d'être étudié. En tout cas, je pousse fortement pour cette idée, et le secteur est vraiment stratégique. Alors, à une époque, plusieurs haltes supplémentaires ont été envisagées. Hein, ça fait partie, comme tous les projets ferroviaires, ça prend du temps. Les premières, je ne dirais pas études, parce que la vraie étude sérieuse, au-delà de l'étude exploratoire qui a permis à Métropole Savoie, lors du mandat précédent d'ailleurs, d'inclure ça dans le SCOT, date de plusieurs années, je ne pourrais pas vous le donner précisément. Parmi les haltes, avait été envisagée celle dont parle le maire de Laravoir, avait également été envisagée une halte dans la zone d'activité de zone industrielle de Bissy, et une au Landier, et j'espère que je n'en oublie pas d'autres. Et puis le travail s'est fait progressivement à Métropole Savoie lors du mandat précédent, et les quatre, il y en a quatre qui ont émergé comme étant prioritaires. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas re-questionner SNCF Réseau sur les autres, mais visiblement toutes les études qui ont eu lieu ont montré que ça posait à la fois des difficultés de réalisation importantes et un public captable faible. Ça répond à la question en partie. Oui. Bon, en tout cas, globalement, cette étude, d'abord, c'est certainement le bon périmètre, et Métropole Savoie est aussi la bonne collectivité parce que le périmètre est pertinent. Le fait d'avoir plusieurs haltes et surtout le cadencement, je pense que là, on aura un outil efficace pour aller dans ce sens de l'utilisation de plus en plus important en volume de nos usagers, une vraie desserte comme ça peut fonctionner, vous l'avez souligné, dans d'autres pays. Après, une question d'habitude à donner et de promotion à faire sur ces transports-là. Oui, allez-y pour compléter, Alain. On a parfois employé l'expression RER parce que en France, c'est comme ça qu'on l'appelle, et aussi en Suisse romande. C'est vrai qu'en France, ça n'évoque que l'Île-de-France, c'est pas vraiment nos paysages. Et je pense que quand ce projet prendra un peu corps, il faudra qu'on lui donne un nom local. Ce qui s'appelait technocratiquement le RER Franco-Valdo-Genevois, c'est devenu l'Aimant Express, et je pense qu'il faudra qu'on se trouve un nom pour s'approprier le projet. Ok. D'autres interventions ? Donc vous avez noté, nous, notre participation, 7, et quelques pourcents, 38 000 euros, 36 000 euros hein, de participation à cette étude. Plus de questions, d'interventions ? Écoutez, je le soumets au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Peut-être non. Plus ? Eh bien, merci. C'est adopté à l'unanimité. Merci, monsieur le vice-président. Et c'est toujours vous pour la 37, sur le rapport 37, réseau synchrobus, adaptation tarifaire à compter du 1er juillet 2021. Voilà, ce sont des adaptations tarifaires relativement modestes. Ce n'est pas une année de grands changements, c'est surtout de l'ajustement.
Alors, il est proposé que le ticket unitaire ondes et synchro, qui est aujourd'hui à 1,60€, passe à 1,80€. C'est aujourd'hui pas un titre qui a un grand succès, il faut bien le dire. C'est un titre qui permet de voyager à la fois sur le réseau Synchrobus et le réseau Ondea. On verra dans le rapport suivant qu'un certain nombre de choses vont changer. Il se trouve qu'à 1,60€, il est moins cher que le ticket vendu à bord des bus chambériens, qui est à 1,70€. Donc, on ne peut pas le vendre à bord. Et s'il faut l'acheter exclusivement chez le dépositaire du Bourget du Lac, ce qui est le cas aujourd'hui, ça fait quand même un goulot d'étranglement important. Du même coup, on ne peut pas le mettre au même tarif vu qu'il offre un service supplémentaire, d'où la proposition de le mettre modestement 10 centimes au-dessus du ticket à l'unité vendu à bord. Le service Synchro-Montagne qui dessert la FECLA et qui dessert également les Aillons Margeria, on en parlera dans le rapport suivant. Vous vous souvenez qu'en fin d'année 2020, nous avions déjà baissé les tarifs, hein, je vous rappelle que l'aller-retour pour la FECLA était aux alentours de 15€ et pour le Margeria au-delà de 20. On avait baissé ça à 8€. Je vous avais dit que c'était une marche, que ça restait encore un peu cher et qu'il fallait avancer progressivement si on voulait être attractif. Donc, on propose un carnet de 6 tickets à 20€, donc c'est des allées simples, c'est-à-dire que l'aller-retour pour quelqu'un qui le... Donc si une personne veut faire un aller-retour, elle fera 3 allers-retours avec le carnet pour 6,66€. On a également le souci et l'obligation légale d'ailleurs de traiter les accompagnateurs des personnes à mobilité réduite, carte d'invalidité ou carte mobilité inclusion. On devait leur faire un tarif spécial, ce qui n'existait pas jusqu'à présent. On propose de leur accorder la gratuité. Techniquement, le principe consisterait à faire que la personne ayant la carte d'invalidité ou mobilité inclusion dispose d'une carte accompagnateur. Et en fonction de la personne qui l'accompagne, ben l'accompagnateur validera cette carte qui est gratuite, ce qui permettra de comptabiliser correctement les statistiques. Voilà ce que contient ce rapport et qu'on vous demande donc d'approuver. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de précision, des interventions ? Oui, monsieur le maire de Saint-Jean-d'Arvais. Sur ce sujet-là. Non, je voulais simplement vous remercier de l'effort qui est fait pour la liaison Chambéry-La FECLA. Plus vous mettez de bus, plus vous faites des tarifs qui permettent aux gens de monter en commun, eh bien, plus vous allégez les voitures sur la route qui mène à Saint-Jean-d'Arvais, qui la traverse et qui va au-delà. Merci. Merci pour cette intervention. Donc, on aura 3 allers-retours par jour, tous les jours, sur les mois de juillet et août. Comment ? Ah, oh, pardon. Je vais trop vite. J'ai rien dit. D'autres interventions ? Je le soumets au vote par rapport à cette proposition. Est-ce qu'il y a sur les tarifs ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus, merci, c'est voté à l'unanimité. Et donc, on passe au rapport suivant. Donc, le 38, sur la mise en œuvre de nouvelles offres sur le réseau Synchrobus et de l'actualisation du règlement d'exploitation du service Synchro Access. Oui, alors, les offres qui ne sont pas, comment dire, la grande révolution du réseau que certains peuvent espérer, mais qui sont également un pas en avant. Le premier, c'est la recouture, j'allais dire, avec Grand Chambéry. La ligne Chrono A qui s'arrête aujourd'hui à Savoie Techno... avec Grand Lac, pardon. La ligne Chrono A qui s'arrête aujourd'hui à Savoie Technolac sera prolongée, alors partiellement, je vais rentrer dans le détail,
à partir de la rentrée, donc ça sera le 30 août, jusqu'à l'arrêt plage du Bourget. Ce qui veut dire en fait que les gens qui feront le trajet, le Bourget-Chambéry, qui sont somme toute assez nombreux, n'auront pas besoin de ce fameux ticket synchro-ondéa, dans la mesure où ils pourront utiliser la tarification synchro tout simplement. Ça serait vraiment pour des gens qui iraient plus loin, qui sont pas très nombreux, en fait, je ne sais même pas s'il en restera. Mais bon, c'est une situation particulière. Le projet, pour le moment, consiste à commencer, on va dire, modestement pour tester ce nouveau service. Une course sur trois en saison, hein, j'entends de septembre à juin, et toutes les courses en été. Le coût de fonctionnement annuel de ce surcroît de service est estimé aux alentours de 200 000 euros hors taxes, ce qui n'apparaît peut-être pas très clairement dans ce rapport, ou du moins qui se lit entre les lignes, c'est que ça sera financé par Grand Lac, vu que ce sont des kilomètres que nous faisons sur le territoire de Grand Lac. En 2016, tout avait été coupé parce que Grand Lac ne souhaitait plus financer. Le dialogue a été rétabli et la ligne va être rétablie. Concernant le synchro montagne, donc, nous allons créer pour la première fois, à ma connaissance, depuis l'existence et de la station de la FECLA et des Aillons et également du réseau de bus de Chambéry, une liaison estivale. Liaison estivale qui, par exemple, existe à Annecy en direction du Semnoz et des Glières depuis beaucoup d'années. Je n'ai pas de référence précise, mais ça fait au moins une quinzaine d'années que j'observe la situation et ça existait déjà. L'idée est de faire trois allers-retours par jour pour essayer cette saison, voir comment ça se passe. En gros, permettre aux gens d'y aller pour la matinée, pour l'après-midi, pour la journée entière. Permettre également aux gens qui séjournent de redescendre en milieu de matinée ou de remonter, de monter avant de prendre une location en milieu d'après-midi. Donc ça s'articule bien sûr avec la nouvelle tarification parce que on peut avoir un raisonnement, comment dire, exclusivement à la journée, mais l'intérêt du carnet de 6 allées simples plutôt que de faire des allers-retours, ça peut permettre par exemple à un jeune dont les parents séjournent plus longtemps de faire certains trajets en bus et de redescendre avec les parents. Ça peut permettre à un groupe de 3 personnes de faire un aller-retour. Enfin, c'est plus modulable et je pense que les gens trouveront sauront comment utiliser. Les véhicules de ces deux lignes seront également équipés de racks à vélo, 6 places. Qu'il faudra en revanche réserver parce que le nombre de places est limité, mais sans supplément de prix en tout cas cette année. On va tester pour voir comment ça se passe. On avait envisagé essentiellement un usage VTT qui est apprécié dans le secteur. Et puis lors de la commission mobilité, un élu des Bauges a dit mais en fait une fois qu'on est à la FECLA, pour retourner vers le cœur des Bauges à vélo, le gros du dénivelé positif on l'a déjà absorbé et ça peut aussi servir à des gens un peu sportifs qui seront contents de retourner dans le cœur des Bauges par plein palais. Le coût de fonctionnement qui lui sera à la charge de Grand Chambéry est estimé à 73 000 euros hors taxe. Nous devons également mettre à jour le règlement d'exploitation du service Synchro Access. Service Synchro Access, je vous le rappelle, c'est un service de transport à la demande, porte à porte, pour des personnes porteuses de handicap, moteurs ou visuels. Aujourd'hui, nous avons une commission d'accès au service. Les dossiers sont étudiés par un médecin. Et la loi nous oblige à dispenser de la commission d'accès au service les porteurs d'une carte mobilité inclusion mention invalidité ou d'une carte d'invalidité mentionnant un taux d'incapacité supérieur à 80%. Donc pour nous mettre en conformité avec la loi, nous modifions notre règlement. Donc voilà, chers collègues, il vous est proposé d'approuver les nouvelles offres de services sur les lignes Chronoa et Synchro Montagne et la mise à jour du règlement du réseau Synchro Access.
et d'autoriser le président ou son représentant à signer les pièces à intervenir. Merci, monsieur le vice-président. Est-ce qu'il y a des interventions ? Oui, Isabelle Duneau, Sandra Ferrari. Dans l'ordre. Oui. Isabelle Duneau d'abord. Désolée, Sandra. Ça s'est joué une fraction de seconde. Oui, merci, président. Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Oui, moi, je voudrais, on voudrait saluer effectivement ces nouvelles offres sur le réseau Syncrobus. Ce sont des avancées, des petites avancées, enfin des avancées cependant. Mais le vice-président en charge des finances tout à l'heure a présenté l'état du budget annexe transport. La gestion prudente et raisonnée, effectivement, de ce budget annexe qui a permis et qui va permettre d'amortir la crise sanitaire, hein, qu'on ne méconnaît pas, hein, qu'on connaît tous, avec ses incidences fortes sur le plan social et fiscal, etc. Mais il nous paraît absolument indispensable d'être plus ambitieux et plus volontariste sur ces questions de transport en commun, de report modal. Il faut vraiment trouver les voies et moyens pour créer collectivement un choc d'offres. Ça nous paraît vraiment important. Il y a une question d'urgence climatique, environnementale, de question de pollution de l'air, hein, qu'on connaît tous, de consommation d'énergie, enfin, je ne vais pas faire la liste, vous la connaissez, elle est longue, d'encombrement, la VRU est absolument saturée, il y a des accidents tous les jours, et c'est plus possible. Donc, il faut créer un choc d'offres avec des alternatives beaucoup plus crédibles. Il y a un PLUIHD, plan local d'urbanisme intercommunal, qui met en avant l'enjeu, j'ai repris, de favoriser le report modal vers les modes collectifs, etc., alternatifs ou actifs. Il y a un PCAET, un plan climat air énergie territorial, 2020-2025, qui lui aussi met en axe 1 la question des mobilités agiles et durables. Donc il faut absolument qu'on soit beaucoup plus ambitieux sur ce champ-là. Et ce sont des choix politiques. Il s'agit de rechercher des mécanismes financiers pour financer peut-être une partie de l'investissement du budget annexe par le budget général, pour faire un transfert plus important en fonctionnement. Enfin, bon, il y a vraiment des enjeux. Et tout ça, pour quoi faire ? Vous avez présenté tout à l'heure cette étude importante avec des perspectives ambitieuses de RER savoyard sur le ferroviaire, mais il s'agit absolument que les transports urbains on change de braquet sur les transports urbains. On peut évoquer la desserte d'un certain nombre de secteurs qui sont délaissés depuis la refonte du réseau en 2016. Ça concerne certains quartiers de Chambéry, mais ça concerne aussi de nombreux quartiers d'un certain nombre de communes de l'agglomération. Il y a nécessité d'augmenter l'attractivité à la fois des lignes chrono, mais des lignes complémentaires, avec aussi une offre plus tardive en soirée, avec probablement, c'est peut-être à examiner, l'arrêt du distinguo entre les vacances scolaires et la période normale pendant l'année, parce que ça, c'est complètement rédhibitoire pour les salariés, hein, parce qu'en vacances scolaires, ils se retrouvent avec un creux dans l'offre de service. Il y a les questions, on l'a évoqué, peut-être d'envisager des gratuités pour les plus modestes, peut-être aller au-delà d'une offre peut-être effectivement d'un prix très, très faible actuellement, mais d'aller carrément vers des gratuités pour les plus modestes, ou il a été expérimenté un ticket à 1 euro les week-ends de Noël, mais ça pourrait être et envisagé, alors c'est un coût aussi, hein, des gratuités le samedi qui permettent là aussi de vraiment inviter les familles, les ménages, les personnes qui ont peu de moyens à pouvoir se déplacer, soit se déplacer vers la ville, vers l'urbain, soit se déplacer vers des espaces de loisirs. Il a été évoqué là le prolongement de la ligne chrono A à partir du 1er septembre, une course sur trois vers le lac du Bourget. C'est important que les personnes captives puissent avoir accès aussi à des tarifs très compétitifs, voire gratuits, au lac, à la montagne, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on change de braquet
sur l'offre de transport en commun et qu'on recherche collectivement les voies et moyens pour avancer plus vite. Voilà, c'est mon intervention. Merci. Je vais faire une première réponse. Après, je vais répondre d'abord à Alain Caraco. On est bien. Oui, alors deux choses sur l'intervention d'Isabelle Duneau. Oui. Pardon ? C'est pas, oui, c'est mal compris. Non, mais je sais pas. Non, juste une réaction. On est bien d'accord, c'est sûr, on peut faire mieux. Et j'allais dire, laissons-nous le temps de sortir de cette crise pour envisager tout ça. On l'a évoqué tout à l'heure, mais quelques chiffres quand même qui sont importants à vous rappeler. Le coût global des transports en commun, c'est 24 millions d'euros, dont seulement 5,4 millions sont pris en charge par les usagers. Il faut quand même l'avoir en tête, c'est 22% du prix du ticket qui sert à financer les dépenses liées à ce fonctionnement. D'autre part aussi, comme repère, notre offre de kilomètres par habitant, puisque c'est comme ça qu'on évalue aussi, on a 35,5 kilomètres par habitant du réseau Syncro, et c'est supérieur à 26% de la moyenne nationale. Donc, on est de ce côté-là, on est quand même bien, on va dire, bien doté. La fréquentation, elle est passée de 8,6 millions de validations en 2017 à 9,15 millions en 2018, puis 9,4 en 2019. Donc ça fait du 10% en deux ans, ce qui montre aussi l'amélioration et l'attractivité de ce réseau. Le maintien, on a réussi à maintenir une offre conséquente pendant la crise, malgré une baisse conséquente des recettes tarifaires en 2020. On l'a vu tout à l'heure, on a perdu 2,1 millions de pertes, donc ça fait moins 40%. Et sur 2021, on a déjà 330 000 euros de pertes. Ça, c'était même à fin avril. Voilà. Et puis, concernant les tarifs, les abonnements dégressifs en fonction des revenus, on a certains tarifs qui vont jusqu'à 95% de réduction. Pour les plus modestes, certains payent 3 euros par mois l'abonnement au transport en commun. C'est juste des rappels de chiffres pour qu'on ait bien tout ça en tête. On ne fait pas rien, enfin, des choses sont déjà en place et on peut améliorer. On est bien d'accord, Isabelle Duneau, bien évidemment, elle va travailler dans ce sens-là. Mais je pensais que c'était important de rappeler ces chiffres et que tout le monde est bien conscient l'effort que fait la collectivité pour ces transports en commun. Voilà. Je vous laisse compléter, Alain, bien sûr. Alors, globalement, moi, je suis intimement persuadé que, en effet, on part pas de si bas que ça, et que néanmoins, il faut aller aussi beaucoup plus haut, et que ça se fait par étapes. Je ne vais pas redire ce qu'a dit le président. 2020-2021, c'est sauver le réseau actuel dans la situation de crise, parce que si on avait commencé à réduire l'offre, en 2022-2023, il aurait fallu remonter l'échelle déjà pour rétablir le niveau. Je pense que là, on a sauvé les meubles et qu'on pourra aller plus loin ultérieurement. Isabelle, tu as parlé également du rapport précédent sur l'usage du train. Alors, c'est bien, ça me permet de dire quelque chose que j'ai oublié de dire à ce moment-là. Le train, ça ne marchera pas tout seul. Le train, ça marchera si c'est coordonné correctement avec les réseaux de transport urbain de Chambéry et d'Aix-les-Bains, avec les réseaux d'autocars qui dépendent de la région, avec les systèmes de location et de stationnement de vélos en gare, avec les parkings en gare. Tout ça doit former système. On a une certaine chance, c'est que techniquement, on a un support, tiens, je ne l'ai pas dans ma poche aujourd'hui, mais qui s'appelle la Cartoura, qui facilite techniquement relativement bien ça, même si ça reste un système complexe, mais c'est mieux de l'avoir que pas. Le problème maintenant est un problème de volonté politique. Je peux le dire également, du côté de Grand Lac, la vision semble assez partagée. Ce n'était pas le cas il y a encore quelques temps. Et je pense que, en tout cas, nous avons le projet. Est-ce qu'on y arrivera? Je ne sais pas. Courant 2022, d'essayer de proposer, en plus des différents tarifs de Grand Chambéry, Grand Lac ou de la région pour le TER ou les cars, de proposer également des titres qui couvriront tout.
on va y aller progressivement. Ça ne sera probablement pas des billets à l'unité parce que ça sera très compliqué à faire, mais probablement des billets à la journée, à la semaine, au mois ou à l'année. Voilà la direction dans laquelle on travaille. Mais tout ça est plus facile à dire qu'à faire, mais on n'oublie pas, on y avancera. D'une façon générale, les questions de gratuité, ça peut s'envisager. Je suis intimement persuadé que ce n'est pas par ça qu'il faut commencer. Il faut d'abord augmenter le niveau d'offre. Isabelle, tu as employé l'expression « choc d'offre ». Pourquoi pas ? En tout cas, il est sûr qu'on doit changer d'échelle. Et il ne faut pas, du même coup, courir avec un handicap en ayant commencé par perdre de la recette. Quand on aura atteint un niveau suffisant, il y aura peut-être des gratuités ciblées à faire. Pourquoi pas le samedi ? Sachant qu'une gratuité le samedi, ça a du sens si on n'est pas concurrencé par des parkings gratuits et du stationnement en surabondance. Mais pourquoi pas ? Peut-être que ça arrivera un jour. Le président a également expliqué que les abonnements au tarif social le plus élevé, en effet, revenaient à 3 euros par mois. Alors ça, c'est le tarif pour la tranche d'âge entre 25 et 65 ans. Parce que plus jeune ou plus âgé, c'est 1,50 par mois. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Si, et dernier point qu'on a avec ces tarifs-là, c'est qu'on sait pertinemment qu'il y a des gens qui pourraient en bénéficier et qui n'arrivent pas à faire les démarches seuls. Donc, vous savez qu'on est en ce moment en projet d'agglomération avec des fiches enjeux et des fiches actions. J'ai proposé 7 fiches en jeu et puis une grosse trentaine de fiches actions. Il y en a une notamment sur comment on peut faire pour que les gens qui ont le droit à des tarifs très réduits en bénéficient. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais il faut qu'on travaille dessus. C'est un sujet important. Il y a une autre solution qui, au moins dans une première étape, sera moins coûteuse que de faire de la gratuité. C'est de proposer des billets de type mini-groupe, valables la journée pour des groupes de 2 à 5 personnes. Je ne pense pas qu'on ait intérêt à dire famille, parce que souvent, ça sera des familles, mais pas toujours. Et je ne pense pas qu'il y ait besoin de mettre des restrictions. En gros, c'est comment faire que tous les gens qui auraient rempli une voiture puissent, pour un tarif raisonnable, c'est quoi un tarif raisonnable ? C'est peut-être le prix de 2 voyages en bus, mais pas le prix de 5, en tout cas. Prendre le bus facilement. Voilà les directions sur lesquelles on travaille en ce moment pour répondre aux questions. Merci. Oui, Sandra Ferrari qui demandait d'intervenir également. Donc, bonsoir à tous. Je voulais vous dire que les territoires de montagne et notamment le SMSB accueillent extrêmement favorablement ce type d'effort. Nous sommes sensibles à l'effort, à la deuxième marche de l'effort qu'a fourni l'agglomération. La première marche a eu lieu cet hiver avec la réduction, certes pas suffisante, mais déjà substantielle du tarif. Nous accueillons très favorablement l'effort et le cadencement sur les activités d'été. Ceci répond effectivement aux problématiques que nous avons connues cet hiver. Je vous rappelle que les stations de montagne sont extrêmement fréquentées, que cet hiver nous avons eu jusqu'à 10 000 véhicules jour, donc ceci générait des gros problèmes de stationnement. Donc pour notre part, nous considérons qu'effectivement Rome ne s'est pas fait en un jour et que c'est déjà un très bon signal. Nous souhaitons continuer de travailler sur le cadencement, nous souhaitons continuer de travailler sur l'offre été, puisque c'est la diversification. Cette année, nous avons pris le temps de dépasser la crise Covid, si tant est qu'elle soit dépassée. Nous n'avons pas souhaité travailler dès cet été sur des tarifs produits, remontées mécaniques plus bus pour l'été, puisque l'amplitude d'ouverture, en tous les cas, je ne vais pas parler pour les avions Marjaria, mais bien pour le SGR, nous avons réduit les amplitudes d'ouverture de façon à ne pas être mis en difficulté. En revanche, nous sommes prêts à travailler
dès à présent, alors je ne sais pas s'il faut qu'on fasse une commission, enfin bref, nous verrons, avec les services transport de l'agglomération pour arriver à faire un effort plus que substantiel sur les offres de transport en commun. Nous sommes prêts véritablement à ce que l'ensemble des collectivités participent à cet effort et nous allons réfléchir très précisément sur une possibilité de tarif, sur les possibilités de stationnement et j'invite les maires des villes-portes concernées ainsi que les exploitants, que ce soit la SEMD Bauge ou la Régie Savoie-Grand-Revard, effectivement sous le chapeau du SMSB, à trouver des solutions, puisqu'aujourd'hui les exploitants financent aussi en direct une partie des navettes intercites. Donc je pense que les signaux sont au vert et que nous pouvons à présent avancer un peu plus rapidement sur les offres de transport. Et je vous remercie. Merci pour ce témoignage et cette proposition. Monsieur le maire de Barby, Christophe. Je vais me mettre aussi dans la même dynamique. Tout le monde est content de l'évolution là, au niveau des transports. Ça va dans la bonne direction. Moi, j'attire juste l'attention sur la communication envers la population, parce que moi, j'ai eu des retours des fois des habitants. On a un système, là, d'après on change, on fait évoluer. Alors, ça va dans le bon sens. Mais en termes de lisibilité pour la population, les utilisateurs, ça devient... Voilà, c'est quand même compliqué à appréhender. Donc, il faut qu'on fasse certainement un effort de communication... justement pour que les transports soient aussi bien utilisés, que ce soit sur les tarifications, sur les nouvelles lignes, sur voilà, parce que quand on nous pose la question, souvent on est à peine à même de répondre. Donc il faudrait qu'on arrive à anticiper par rapport à la rentrée, hein, parce que c'est souvent le top départ des nouveaux systèmes, et qu'on soit un petit peu plus performant sur la communication. Voilà, c'était une remarque, mais voilà, très positive. Non, mais merci pour cette remarque. Effectivement, je vais laisser Alain Caraco peut-être apporter des précisions. Oui, alors le réseau chambérien, globalement, est assez stable depuis 5 ans. À la rentrée, la modification, la vraie, le reste étant vraiment des... Il y a des horaires qui peuvent, bouger de quelques minutes, mais c'est vraiment du réglage fin. La vraie modification sera la prolongation de la ligne A de Savoie-Technolac à Plage du Bourget. Et comme pour le moment les choses ont l'air d'aller plutôt bien au point de vue sanitaire, si ça continue comme ça, on envisage une campagne de communication en septembre, justement pour dire ça y est, les gens sont massivement vaccinés, il n'y a pas eu de vrai cluster dans les transports en commun, vous pouvez y aller. Et je pense qu'on pourra insister également sur... moi, j'ai quelques autres idées, on n'a pas encore tout mis en œuvre. C'est rappeler que quand on a un abonnement annuel et que on le paye au tarif maximal, âge 25-65 ans, et qu'on bénéficie de la prime employeur, les transports en commun, c'est moins de 50 centimes par jour. Et si on n'a pas la prime, c'est moins d'un euro par jour. Mais il y a peu de gens qui n'ont pas cette prime. Je pense que parmi... et ça, c'est quand on ne bénéficie pas de réduction. Dans les autres sujets, je crois qu'on aura besoin de rappeler que sur les lignes chrono A, B, C, D, et sur la ligne 1, qui est presque une ligne chrono, et qu'il ne faudrait peut-être pas grand-chose pour la pousser pour qu'elle le devienne... on a toute la journée des bus au moins toutes les 15 minutes et en heure de pointe encore beaucoup plus fréquemment. Et donc voilà, c'est sûrement des choses sur lesquelles on va communiquer. Et puis le propre de la communication, c'est quand on l'a dit, il faut le répéter, puis après il faut le répéter encore une fois. Bien, une dernière intervention peut-être, Arthur Bonneveu. Oui, merci pour les précisions qui ont été apportées sur par rapport à l'intervention d'Isabelle. Moi, Monsieur le Président, je ne suis pas forcément d'accord quand on dit que le réseau de transport est de qualité. Je rappelle quand même qu'il y a des dessertes de bus qui ont énormément baissé depuis 2016. Et pour ne traiter que des communes qui sont autour de Barbera a perdu 40%
de bus sur le haut de la commune, ce qui a une incidence du coup aussi sur les hauts de la commune de Laravoir et sur les hauts de la commune de Saint-Baldoff. Le centre-ville de Laravoir n'est plus desservi par un bus à haute fréquence. Le quartier de la Madeleine, qui regroupe plus de 1500 habitants entre Barbera et Laravoir, n'a plus de bus. Donc effectivement, il y a peut-être des secteurs dans l'agglomération où il y a une amélioration des réseaux, mais il va falloir qu'on avance dans les mois et les années à venir pour augmenter la desserte de ces quartiers-là qui, de fait, fait que les habitants ne prennent plus le bus, mais prennent la voiture. Oui, si vous voulez répondre. Il s'agit bien de secteurs qui ont été identifiés, ce n'est pas les seuls, il y en a quelques autres ailleurs, qui sont dans mes propositions pour le projet d'agglomération. On a déjà quelques premières études. Je pense que sur ces questions-là, les études ne suffiront pas et on aura besoin de faire du terrain, de la concertation pour ajuster au mieux ce qu'il faut faire. Donc voilà, tout ne va pas se faire tout de suite, mais on va avancer. Merci. Effectivement, tout à l'heure, je parlais dans redonner des chiffres dans les grandes masses, dans les grands volumes. Je crois que 80% de la population urbaine est quand même desservie. Hein. Ça doit être à peu près, ça doit être à peu près ça. Tout va être étudié. Si le tout, c'est de rentrer dans les équilibres et les possibilités financières. Mais c'est, on sait, enfin, c'est un sujet, c'est ressorti dans notre séminaire aussi de révision d'agglo d'une manière très très forte, les mobilités. Donc oui, c'est un sujet et oui, bien sûr, on étudiera tout ça, on en est bien conscient et c'est une volonté, je crois, qui est largement partagée. Et on en avait pour preuve ces interventions ce soir sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y en a d'autres sur ce rapport 38? Je vais le mettre au vote. Donc sur la proposition du vice-président Alain Caraco, telle qu'il l'a présentée, est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Des abstentions? Non plus. Eh bien, je vous remercie beaucoup. C'est voté à l'unanimité. Avant-dernier rapport, constitution d'un organisme de foncier solidaire par Cristal Habitat, et c'est le vice-président Thierry Repentin qui va nous faire la proposition, la présentation. Oui, nous avons tous connaissance de cas dans notre entourage ou de façon générale de couples qui souhaitent s'installer durablement sur notre territoire en espérant un jour devenir propriétaire et qui renoncent ou qui vont s'installer ailleurs faute de pouvoir boucler un budget pour acquérir soit un appartement, soit une maison. Cela s'explique notamment par une évolution des coûts du foncier sur les agglomérations dites tendues qui vont bien plus vite que l'évolution des revenus de nos compatriotes. Et la part du foncier dans le coût d'équilibre d'une opération tend à croître avec notamment sur l'agglomération de Chambéry l'impact des pressions de villes en Suisse, Genève, mais également peu à peu de la part du bassin genevois, et on voit les prix augmenter d'une façon qui pose question sur la capacité qu'auront les générations futures à pouvoir, pour ceux qui le désirent en tout cas, devenir accédant à la propriété. Et nous avons tous à l'esprit des mutations qui se sont faites au cours des derniers mois. Je pense à des communes de Barby. Je pense aussi sur la commune de Bassin, à des prix totalement déconnectés, délirants, totalement déconnectés des prix qui sont pratiqués depuis plusieurs années sur l'agglomération. Cela se traduit par le fait qu'il y a donc, pour beaucoup de nos compatriotes, soit un abandon du projet d'accession à la propriété, soit de se délocaliser à 20, 30 ou 40 kilomètres, dans l'avant-pays savoyard, dans la combe de Savoie, parfois sur les contreforts, là où le foncier est moins cher, donnant le sentiment que l'accession à la propriété, finalement, est plus aisée. Mais c'est souvent une accession plus aisée optiquement, car à la fin du mois, il y a aussi des frais, il y a de la fatigue liée au transport, et puis aussi il y a des frais supplémentaires liés au coût des transports. Et pour la collectivité locale,
la nôtre en l'occurrence, on doit ensuite traiter les problèmes de transport pendulaire avec un développement de la voiture sur les routes, et ça fait, je trouve, un écho par rapport à ce qui vient d'être dit sur notre obligation d'augmenter l'offre de transport, que ce soit par le train ou par les bus, pour tenter de compenser cette augmentation des véhicules individuels liée au fait, je le répète, qu'on est obligé d'aller toujours plus loin pour pouvoir être accès dans la propriété. Les contreparties aussi que l'on observe, c'est que l'accession à la propriété dans notre pays, et tout particulièrement sur les zones tendues, se fait sur des appartements ou des maisons de plus en plus petites en surface. Alors, c'est pas que les gens souhaitent être logés plus petitement, c'est qu'en fait, on adapte le projet à son revenu qui n'augmente pas, contrairement au coût de la construction et les coûts du foncier. Et on a aussi, parallèlement, un allongement de la durée des prêts pour les accédants à la propriété. Alors, ces constats, ils sont connus. C'est ce qui explique notamment que dans le PLUHD, il ait été indiqué qu'il fallait notamment une part de logements en accession abordable. Quand on regarde les résultats, je pense que les résultats ne sont sans doute pas à la hauteur des dispositifs, en tout cas de l'ambition qui était portée par les élus, car malheureusement, le logement en accession abordable reste une portion vraiment très, très, très faible de ce qui se pratique. Donc, comment aider celles et ceux qui souhaitent être accédant à la propriété sur les zones les plus tendues, et tout particulièrement, pour être clair, sur la plaine, là où le prix du foncier est le plus cher. Nous avons mené avec Cristal Habitat une étude en fin d'année 2020 pour savoir s'il n'y aurait pas un intérêt d'expérimenter sur notre territoire de Grand Chambéry une disposition née de la loi Allur, qui est expérimentée aujourd'hui sur quelques agglomérations en France, qui permet de dissocier la propriété du bâti par rapport au terrain lui-même. C'est ce qui vous est présenté à l'écran, c'est-à-dire créer ce qu'on appelle un office foncier solidaire au sein de Cristal Habitat, qui est l'outil du logement de l'agglomération. Et cet office foncier solidaire vise à maîtriser la propriété du sol, de construire dessus des appartements ou des maisons qui sont mises à la vente, et celles et ceux qui sont intéressés deviennent donc propriétaires de plein exercice du bâti, sans avoir à payer à l'occasion de l'achat le foncier, mais vont verser une redevance annuelle à l'office foncier solidaire hébergé dans Cristal Habitat, ce qui permet d'avoir effectivement une partie de nos concitoyens qui voient l'acte d'achat pour la propriété bien moins cher. Alors, cette innovation juridique, vous en avez les caractéristiques essentielles, nous ne sommes pas allés complètement dans le détail, mais suffisamment pour que chacun puisse comprendre. Le bail réel solidaire, qui vise donc la propriété du sol, a une durée pouvant aller de 18 ans à 99 ans. L'accédant peut céder son appartement à qui le souhaite, à quelqu'un qui veut aussi accéder à la propriété sous le même régime du bail réel solidaire. En cas de décès, par exemple, vous héritez, c'est une pleine propriété. Il n'y a pas de différenciation. La seule différence, c'est que vous n'êtes pas propriétaire du foncier. Et ces logements vendus en BRS sont par ailleurs, et c'est la seule, c'est le seul cas, décompté dans le cadre de l'article 55 de la loi SRU. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir acheter dans le cadre d'un bail réel solidaire, il faut avoir des niveaux de revenus qui ne dépassent pas les plafonds pour accéder au logement social. Alors, ça pourrait paraître discriminatoire en disant finalement une petite partie pourrait en bénéficier, mais sur l'agglomération de Chambéry, c'est à peu près 70% des habitants, compte tenu de leurs revenus, qui pourraient accéder effectivement au BRS, et vous le voyez, avec un niveau de revenu d'un couple avec deux enfants de 42 000 euros par an, ce qui, d'ailleurs, est un chiffre qui n'est pas très élevé et qui montre effectivement quelle est la réalité aussi de vie de nos compatriotes, puisque c'est 65 à 70% des habitants sont sous plafond
de 42 187 euros par an. C'est fait pour être pour des logements occupés à titre de résidence principale, avec un prix plafonné, avec une TVA à taux réduit. C'est l'un des intérêts de ce dispositif. Donc, sur la construction elle-même, vous avez aussi des prix qui sont tirés par le bas, au-delà du fait que vous ne payez pas le foncier. Le prix de revente, parce que vous pouvez revendre votre bien si vous décidez de partir, ou pour une raison pour une autre, vous êtes amené à vous séparer de votre bien. Vous pouvez le revendre, mais vous ne pourrez pas le revendre au prix du marché. Vous le vendrez au prix d'achat, sur lequel on met un indice des coûts de la construction, c'est-à-dire vous ne perdez pas d'argent, mais vous ne faites pas une plus-value comme si ce bien était sur le marché totalement libre. Nous avons fait, c'est la slide suivante, une estimation pour vous donner un ordre d'idée par rapport à un programme qui va sortir sur Chambéry, avenue de la Grande Chartreuse, en direction donc du col du Granier, d'une opération de Cristal Habitat, 31 logements en accession, et les prix vous sont indiqués. Cristal Habitat peut vendre en libre. En libre, pour un 100 mètres carrés, il vend donc un appartement à 373 000 euros pour 100 mètres carrés. En accession sociale, à travers le produit notamment le PSLA que font les organismes HLM, vous tombez à 323 000 euros. Et avec l'exemple du BRS, vous tombez à 280 000 euros pour un 100 mètres carrés. Donc on voit bien la différence, hein, 373 000, c'est le marché libre, 280 000 euros à travers ce nouveau produit que nous pourrions tester sur l'agglomération de Chambéry. Et vous voyez donc le taux d'effort, effectivement, moindre, dont bénéficieront les futurs acquéreurs, c'est moins 27% sur le prix de vente, moins 21% sur l'effort mensuel pour le ménage. Alors pourquoi moins 21% sur l'effort mensuel? Parce qu'il y a cette redevance sur le foncier qui est donc payée à Cristal Habitat. Et on voit même que ce dispositif est plus intéressant que l'accession sociale à la propriété, puisque là aussi le taux d'effort est moindre. Alors la délibération en fait qui vous est proposée, hein, vise à permettre à Cristal Habitat d'intégrer dans ses statuts, à l'occasion d'une assemblée générale à la fin du mois de juin, le fait qu'il puisse faire ce nouveau produit, sous réserve qu'il en obtienne l'agrément qu'il doit demander à la préfecture de région, au service déconcentré du ministère du Logement, l'ADREAL, puisqu'il faut un agrément de l'État, dans la mesure où l'État fait un effort, puisque vous l'avez bien compris, comme il y a une TVA à taux réduit, c'est moins de recettes pour la nation. Je devrais dire, pour conclure, parce que je ne vais pas vous lire la délibération, chacun l'a eu, c'est que c'est sans doute un outil nouveau dont on verra la pertinence. Il faudra sans doute 4 ou 5 années d'expérimentation pour voir si effectivement il a permis à des gens de devenir propriétaires alors qu'ils ne le pouvaient plus. Mais ça ne nous exonérera pas d'une réflexion collective plus poussée pour mettre en place des outils. On a commencé à y travailler pour que nous ayons vraiment une maîtrise du foncier constructible dans notre agglomération, au risque malheureusement de ne colmater finalement avec des rustines que quelques trous qu'on aura vraiment pu voir. Mais on ne peut pas laisser faire aujourd'hui l'évolution du prix du terrain constructible avec l'envolée et les derniers exemples qu'on a eu à connaître. Voilà en quelques mots. Très bien. Merci, Monsieur le Vice-président. Effectivement, ça a été présenté. C'est un outil qui paraît qui est intéressant, anti-spéculatif. Et on sait l'enjeu qu'il y a sur le foncier. On en a déjà parlé dans cette assemblée et régulièrement entre nous. On a un vrai souci du foncier et de la spéculation qu'en effet. On a sur certaines communes récemment des exemples assez criants. Ça me semble intéressant de pouvoir expérimenter ce montage-là. Michel Dien va intervenir. Fonctionne. Merci.
Moi, je ne veux pas être très long, simplement, évidemment, que je souscris au dispositif, hein, puisqu'on a eu l'occasion d'en parler à Cristal. Simplement, alors je ne sais pas si ça appartient au vice-président du logement ou à ma collègue, à notre collègue de l'Urba, mais comme j'ai examiné le dispositif pour le mettre en place à Saint-Alban-l'Est, dans le cadre du développement du centre-bourg 2, je me suis aperçu qu'il y avait une petite dissonance entre ce qu'accepte la loi SRU au regard des logements sociaux, puisque je suis en commune de rattrapage, et le PLU-IHD, où il semblerait qu'il faudrait faire un petit ajustement pour qu'on puisse intégrer ce dispositif au PLU. C'est pas rare. Voilà. Bon, si je peux apporter un élément d'avance, je pense que c'est lié au fait que quand la loi SRU a été adopté, c'est traduit dans un certain nombre de documents. Le BRS, qui est lui de la loi Allure, n'était pas encore opérationnel. Et je pense qu'il faut simplement qu'on voit avec les services déconcentrés de l'État pour qu'on puisse comptabiliser si d'aventure il y a des opérations qui se font sur Saint-Alban-l'Est ou ailleurs, puisqu'il y a 5 communes, il n'y a pas que Saint-Alban-l'Est qui a un effort de rattrapage, pour que les opérations faites par Cristal Habitat, qui pourra d'ailleurs le faire sur tout le département, puisqu'on a demandé un agrément sur tout le département et pas exclusivement sur les communes de l'agglo, pour que ces logements soient comptabilisés. Et il n'y a aucune difficulté, puisque le ministère du Logement a indiqué que, comme de toute façon, c'est toujours des personnes qui seront sous condition de plafond HLM qui pourront les acheter, ça garantit à vie la dimension sociale de cette accession à la propriété. Mais on regardera s'il y a des détails à régler avec l'État. Merci. Oui, Luc Berthoud souhaite intervenir. Allez-y. Simplement pour reprendre le propos de notre collègue maire de Chambéry dans son préambule avant de présenter cette délibération sur le BRS, où effectivement c'est une formule qui va nous permettre peut-être de rééquilibrer les choses. J'appelle de mes voeux à nouveau, puisque je l'avais indiqué, qu'on ait une conférence des maires sur le sujet de l'urbanisme du foncier, parce que les prix sont totalement déraisonnables. Il y a des surenchères entre des promoteurs qui viennent de toute la France et de Navarre. On arrive à être en deuxième ligne de Genève et d'Annecy, et on ne peut pas se contenter d'être les sous-traitants de ces sites, avec des primo-accédants qui n'ont plus d'accès, des familles aux revenus modestes ou moyens qui ne peuvent plus accéder. Et si je prends l'exemple d'une commune que je connais un peu, chaque mandat était rythmé par une préemption. Et là, au cours du trimestre en cours, j'en suis à 3 préemptions pour m'inviter dans des projets que des promoteurs font par-dessus la tête des collectivités en faisant tourner la tête de nos propriétaires privés qui voit passer un promoteur qui fait un premier prix, un autre derrière qui met 30 ou 40 000 euros de plus, et le troisième qui rajoute la même somme. Et on arrive à des aberrations. Donc, je re-souhaite, Monsieur le Président, comme je l'avais indiqué il y a plusieurs semaines en arrière, qu'on ait dans les délais les plus brefs une réunion là-dessus pour qu'on se parle entre maires, qu'on ait aussi sûrement, et je l'ai demandé à la Fédération des maires de la Savoie, une rencontre avec la Fédération départementale des promoteurs immobiliers, puisque eux-mêmes sont bien conscients des risques que nous avons d'être sur une fracture sociale assez forte. Donc voilà, si on peut tenir cette réunion dans les meilleurs délais, j'en serais très heureux. Oui, merci, c'est bien noté, c'est prévu. Effectivement, c'est un sujet, le foncier qui a été, on a eu le vice-président Repentin, donc, a organisé un COPIL la semaine dernière précisément sur ça, lié à l'habitat, cette problématique de foncier. Mais c'est aussi pour les zones d'activité, on le sait, pour l'agriculture, si on veut faire de l'agriculture locale, pour les gens du voyage, on en parlait encore ce matin avec la vice-présidente, pour les grands équipements, puisqu'on cherche un site pour le nouveau centre de tri. Enfin, on voit bien que c'est un sujet et que, oui, il va falloir, comme on dit, certainement qu'on prennent le taureau par les cornes
et qu'on y mette du budget, qu'on se donne les moyens, parce que ça passera par ça. Mais effectivement, l'habitat et la surenchère qui est faite sur notre foncier aujourd'hui est plus du tout acceptable, comme vous l'avez dit. Encore une intervention sur cette proposition ? Ou est-ce que je le mets au vote ? Eh bien, je vais le mettre au vote. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Merci beaucoup. On arrive au dernier rapport qui, en fait, est un vœu. Et du fait, c'est un vœu, je vais le présenter moi-même, mais c'est sur proposition du vice-président agriculture Jean-Pierre Fraisseau. C'est ça concerne la mise en œuvre des mesures en réponse à la prédation lupine, le loup, et qui a sévi, qui est présent sur nos territoires, notamment nos territoires Bauges et Chartreuse. Et ce loup, ça fait plusieurs années, depuis 2006-2018, eh bien, on a eu des présences sporadiques, un individu par an, une attaque par-ci, par-là, sur ces territoires. Et puis ça fait un an, depuis l'hiver, on a constaté de la présence des photos, etc., des indices révélés, de la présence de 3 à 6 loups, vraisemblablement 6, et on s'oriente, en tout cas sur les Bauges. Et puis des attaques récentes, aussi bien sur Bauges et Chartreuse, encore plus récentes que ça, et sur les communes plutôt de Piémont, et sur qui concernent notre collectivité. Et la profession agricole a fait un courrier à l'Aglom, a fait un courrier en date du 19 avril 2021, qui mentionne sa forte inquiétude pour la sortie des troupeaux en alpage. Troupeaux bovins, pas que, hein, parce qu'on pense tout de suite aux moutons, aux chèvres, hein, c'est les premières attaques qui ont lieu, mais pas que, quand on est sur des alpages, dans nos montagnes, eh bien, c'est des jeunes génisses, donc c'est juste des gros veaux, hein, auxquels le loup peut s'attaquer. Sur le reste du territoire français, on a des attaques de plus en plus courantes sur les bovins. Et puis, j'avais permis au président de la Chambre d'agriculture de s'exprimer sur ce sujet lors de la conférence des maires du 6 mai dernier. Ce que je vais vous proposer, ça va être de soutenir cette activité de montagne qui est fragile. Mais la problématique, c'est la protégeabilité des troupeaux. On a soit des petits troupeaux d'ovins et de bovins difficilement protégeables, mais encore plus dans les alpages, puisque la pratique fait que les bovins sont laissés livrés à eux-mêmes et le propriétaire, l'éleveur, ne vient que de temps en temps. Et ces troupeaux ne sont pas parqués, vu l'étendue des alpages. Et il y a un petit manque juridique, c'est-à-dire que les textes ne prévoient pas d'aide pour la protection des bovins. On a bien ça pour les caprins et ovins, mais en tout cas, les bovins ne sont pas éligibles aux mesures nationales de protection et de tir de défense, parce qu'à partir du moment où il y a des attaques de loups, eh bien, le préfet peut donner l'autorisation aux éleveurs de pratiquer des tirs de défense. Et on sait que ces tirs, aujourd'hui, les études montrent que les tirs de défense permettent de rééduquer le loup, et c'est une des seules solutions véritables, rééduquer le loup à avoir peur de l'homme, puisque ça fait une bonne centaine d'années qu'il n'est plus présent en France, et aussi bien les éleveurs ont perdu le savoir-faire de cohabiter avec le loup, et d'autre part le loup a perdu aussi l'éducation qu'il avait d'avoir peur, en tout cas de l'homme et des éleveurs, et on a besoin de lui réapprendre de ne pas s'approcher des troupeaux domestiques. L'hiver, il se sert dans la faune sauvage. Enfin, sur les Bauges, c'est typiquement les troupeaux de mouflons qui sont prédatés. On a de forts indices. Enfin, tout ça est suivi. Mouflons, chevreuils, cerfs, bien évidemment. Enfin, plutôt chevreuils. Voilà. Donc, pour dire que le pastoralisme, c'est un savoir-faire particulier de l'utilisation de cette
cet espace, c'est aussi le maintien d'une vie sociale en montagne, c'est le maintien des paysages ouverts, c'est ces alpages qui sont pour la plupart classés Natura 2000, hein, d'intérêt européen, avec qui on travaille de très près, et avec une agriculture plutôt exemplaire, agriculture extensive. Voilà, donc l'objectif sur ce vœu, c'est pas de prendre position pour ou contre le loup, le débat n'est plus là depuis bien longtemps, mais c'est juste dire qu'on a des activités humaines, une activité économique sur ces secteurs-là qui est extrêmement fragile, qui peut être presque anéantie, en tout cas, et par l'arrivée de ce grand prédateur, et on n'a pas de moyens efficaces pour se protéger. Aujourd'hui, pour protéger un troupeau, on le sait maintenant, c'est le parquage la nuit, c'est la présence de patous et c'est la présence humaine en permanence. Ça, on y arrive à peu près. Donc vous imaginez, ça veut dire parquer la nuit, c'est pas du tout ce qui se pratique. Les patous, ok, ils en ont à peu près tous. La présence humaine, c'est pas du tout qui se pratique, c'est évidemment des frais qui ne sont pas du tout dans l'équilibre aujourd'hui de ces des budgets de ces activités. Donc voilà, c'était le vœu, ça serait de dire, je vais vous le dire et je vous laisserai débattre bien sûr là-dessus et prendre position, ça serait sans remettre en cause le caractère d'espèce protégée du loup. Les élus de l'agglomération demandent à l'État la mise en place rapide et anticipée de toutes mesures permettant la protection des troupeaux, en particulier bovins, aujourd'hui sans solution. Demandent à l'État de constater et d'indemniser sans délai toute attaque. C'est le cas, mais c'est le sans délai qui est important, c'est-à-dire agir vite. Soutiennent la demande des syndicats départementaux d'éleveurs bovins concernant l'ouverture sans attendre de droits de tir de défense pour les troupeaux bovins avec application possible dans nos massifs. Et puis, on pourrait s'engager à faciliter toute expérimentation permettant d'adapter les mesures au contexte particulier du pastoralisme de nos moyennes montagnes. Donc voilà, c'est bien de rester évidemment dans le cadre réglementaire, on se le doit évidemment, mais c'est de juste demander d'accélérer les procédures de manière à ce qu'il y ait une réponse rapide, et notamment sur les tirs de défense, parce que quand le loup attaque, il faut lui faire comprendre que oui, il y a de la présence humaine et qu'il ne faut pas qu'il s'attaque au troupeau. Voilà. Je vous laisse réagir sur cette proposition. Oui, Aurélie Lemeur. Merci. Vous m'entendez ? Non, ça ne marche plus. On m'a coupé le micro ? Non, pas encore. Monsieur le Président, en réaction au vœu que vous nous proposez d'adopter ce soir, quelques éléments de réponse. Donc, le vœu que vous présentez ouvre un débat nécessaire, effectivement, à avoir sur notre territoire d'agglomération. Nous travaillons en ce moment même à l'élaboration de notre projet d'agglomération. Nous en avons parlé plusieurs fois ce soir, ainsi qu'à l'attractivité touristique de notre territoire avec la marque Chambéry Montagne portée par GCAT. Les débuts de ces réflexions collectives nous ont permis de montrer la nécessité de concilier les différents enjeux, ceux des activités humaines, mais aussi celle de la protection de notre environnement et de notre biodiversité. Certains ont même parlé d'économie symbiotique. Je dirais avec d'autres mots que les rapports d'interdépendance entre l'économie locale, la qualité de vie recherchée par les habitants et nos visiteurs, l'image de notre territoire, la biodiversité, le caractère exceptionnel de nos paysages, la préservation des sites naturels sont désormais reconnus. On ne peut donc pas imaginer l'avenir de notre territoire sans penser à la transition écologique, qui passe concrètement par la prise en compte des enjeux écologiques, de développement durable et de protection de nos écosystèmes. Nous le savons, nous élus de l'agglomération, que c'est une préoccupation grandissante de l'ensemble des citoyens, des acteurs et des acteurs économiques. Donc, vous le citez, le pastoralisme est effectivement une activité importante, emblématique pour notre territoire, mais également menacée. Les défis auxquels il fait face sont nombreux,
concurrence pour l'usage du foncier, impact du changement climatique sur les ressources en herbe, incertitude sur l'avenir de la PAC, baisse de la consommation de viande, activité déclinante du métier de berger et attaque de troupeaux par les grands prédateurs notamment. Cette liste, en fait, est celle qui est rappelée par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation à l'occasion de la commande d'une étude prospective sur l'avenir du pastoralisme français d'ici 2035. Et je crois utile de vous partager les conclusions de ce rapport, qui, par ailleurs, n'est pas du tout suspect de complaisance sur la question du loup. Alors, je vous cite. « Finalement, l'avenir du pastoralisme va être fortement dépendant de trois moteurs. La perception sociétale vis-à-vis des activités d'élevage extensive, l'évolution des soutiens publics et les positions politiques prises concernant les marchés d'échange internationaux. L'échelon local peut néanmoins avoir un rôle à jouer pour une meilleure reconnaissance de l'activité et de sa place dans l'écosystème rural et pour une atténuation des phénomènes globaux. Celui-ci présente également l'avantage de pouvoir s'adapter aux contraintes spécifiques à chaque milieu, climat, isolement, zonage AOC, qualité fourragère, activités connexes comme le tourisme, la chasse, propriété foncière, etc. Donc, il est notamment relevé la nécessité de mieux montrer ce qui distingue le pastoralisme des formes d'élevage intensif, tout en privilégiant la production de qualité, la diversification et la vente en circuit court. De même, la sécurisation du foncier pastoral et de son équipement est aussi un point stratégique dans un contexte de concurrence des usages et de changement climatique. Alors, je crois que pour répondre réellement aux attentes des professionnels du secteur, le vœu que nous pourrions présenter ensemble pour répondre à ces différentes problématiques nécessiterait de pouvoir l'élargir et d'avoir un débat collectif sur le sujet. Concernant plus précisément les tirs de défense, donc il est essentiel de rappeler que leurs autorisations sont déterminées dans un cadre très strict relevant du plan loup. Le loup est une espèce, vous l'avez rappelé, strictement protégée en France, conformément à la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, dite Convention de Berne, signée en 1979 par la France, aux côtés d'une cinquantaine de pays de l'Union européenne. La population des loups ne progresse plus aussi vite que par le passé, comme l'indique l'Office français de la biodiversité. La dérogation prévue à l'interdiction de destruction permet de tirer également le loup de façon proportionnée aux attaques subies par les élevages et les modalités de tir sont ainsi graduées en fonction de l'importance et de la récurrence des dommages subis sur les troupeaux. À cet égard, les dernières données publiées par le préfet de région, préfet coordonnateur responsable de l'application du plan loup, montrent la stabilité des victimes en Savoie. En matière de mesures de protection des troupeaux, le bilan de renforcement des aides en 2020 montre notamment que le recours au gardiennage par des bergers a progressé de 40% en cercle zéro, c'est-à-dire les communes les plus concernées par les foyers de prédation, où l'on observe une diminution globale des dommages de l'ordre de 12%. Ces chiffres témoignent à la fois de véritables marges de manœuvre et d'une réelle efficacité de ces dispositifs. Le succès des dispositifs de bergers d'appui a été souligné par les acteurs, ainsi que le besoin de bergers d'accéder à des formations sur l'utilisation des chiens de protection des troupeaux. Concernant l'indemnisation, la conditionnalité est une disposition nouvelle du décret d'indemnisation de 2019 sur le territoire des communes concernées par la prédation. L'éleveur n'est pas indemnisé à partir de la troisième attaque sur 12 mois s'il n'est pas protégé ou reconnu non protégeable. Cette notion est la transcription réglementaire de la nécessité de tout mettre en œuvre pour protéger les troupeaux avant de recourir au tir ou bien de demander une indemnisation. Elle ne s'applique qu'aux communes du cercle 1 qui recouvrent une partie du massif des Bauges et de la Chartreuse. L'État apporte également un soutien financier en matière d'accompagnement technique. Nous pourrions effectivement, au sein du Conseil communautaire, travailler sur l'accompagnement par l'agglomération de ces différents dispositifs. Et j'en arrive à la conclusion. Donc, pour les différentes raisons que je viens d'exposer, aussi bien écologiques, économiques que réglementaires, il me semble que le troisième tiret du vœu présenté ne va pas dans le bon sens. Et en tout cas, avec le deuxième tiret, ne s'inscrit pas dans une réflexion d'ensemble qui viserait l'efficacité. Je souhaite que nous puissions prendre le temps d'un débat sérieux et serein sur le pastoralisme, et en effet sur le loup.
Je ne crois pas qu'un vœu déposé sans discussion préalable à quelques semaines d'un double scrutin local soit la meilleure entrée en matière. De plus, je vous ai interrogé en amont de la séance de ce soir, vous demandant si le PNR du Massif des Bauges s'était positionné sur le sujet. Vous m'avez indiqué qu'il ne l'avait pas encore fait, alors qu'un conseil syndical s'est tenu mardi. Et de mon point de vue, s'il y a bien une structure qui devrait se prononcer sur ces enjeux parce qu'elle rassemble les acteurs directement concernés, ce sont bien les parcs naturels régionaux. Et dans le cadre d'un débat qu'on pourrait et qu'on doit bien évidemment avoir à l'échelle de Grand Chambéry, leur position serait utile au débat pour venir nourrir la réflexion. Enfin, pour terminer, l'enjeu d'un vœu, c'est qu'il soit le plus largement adopté pour qu'il puisse avoir toute sa portée. Je tiens à rappeler que le dialogue qui se construit au sein de notre agglomération en ce moment même, notamment au travers de la démarche d'élaboration du projet d'aglo qui est saluée par toutes et tous, est à préserver et à encourager. Que nos différentes interventions sur le fond ne nous empêchent pas d'obtenir des votes à l'unanimité comme ce soir sur l'ensemble des délibérations et que donc personnellement je trouverais dommage de nous diviser sur ce projet. Je vous remercie de votre écoute. Très bien, merci. Deux, trois, oui, Jean-Pierre Fressoz va répondre. Concernant, donc on a une présentation en conférence des maires, on a pris ce temps hein, d'échange. Concernant les PNR agissent au quotidien depuis de nombreuses années et très très près, je dis les parce que je prends aussi, je parle aussi du parc de la Chartreuse, hein, sur du concret, sur de l'opérationnalité, hein, donc auprès des éleveurs, bien évidemment, et ne se positionnent pas, puisqu'on est dans les, par définition, les parcs naturels régionaux recherchent toujours cet équilibre entre le développement économique et la protection des milieux et des espèces. C'est par essence même. Et on a effectivement, il y a peu de temps, j'ai fait une réunion avec tous les éleveurs du parc et on m'a demandé de prendre position. J'ai répondu, ça serait une erreur parce qu'à partir du moment où ils souhaitaient qu'on prenne position pour ou contre, évidemment, et plutôt contre, ça serait une erreur, parce qu'à partir du moment où on prend position, on n'est plus entendu, et on préfère agir, mais bon, la question va se reposer, hein, de toute façon, dans les parcs, sur le positionnement. Voilà, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, avoir d'autres débats, c'est un vrai sujet, il y a des débats à tout niveau, au niveau national et au niveau local, et maintenant, une grande partie des territoires français sont touchés. Là, il faut qu'on réponde à une urgence, c'est-à-dire que là, les troupeaux vont sortir, les attaques vont avoir lieu. C'est juste dire au préfet, soyez rapide, mettez, d'ailleurs, il est sensibilisé à ça, hein, mettez en œuvre au sein de vos services les moyens pour agir rapidement. Et la problématique, c'est effectivement la protégeabilité, parce que les aides sont conditionnées à la protection, il faut faire la démonstration que les troupeaux sont protégés. Or, on a un système d'élevage exhaustif qui rend extrêmement difficile, voire impossible, de protéger les troupeaux. Voilà. Jean-Pierre, vous voulez... Oui, juste un mot, je vais être très court. La population agricole, elle est tendue en ce moment, dans les Bauges. En bas aussi, bon, il y a les catastrophes climatiques, le gel, on connaît. Il y a aussi énormément de conflits d'usage, en haut comme en bas. D'ailleurs, il va y avoir une campagne d'affichage sur Grand Chambéry, justement, pour que les gens respectent les cultures, les fourrages, enfin, qu'ils respectent l'activité agricole et le travail des agriculteurs. Sur le loup, je pense qu'il y a deux positions de fait. Je pense qu'on ne partage pas la même. Aujourd'hui, les agriculteurs, ils demandent un soutien. On a voté le dernier conseil communautaire, on a voté 2 millions d'euros pour la politique de la ville.
Je ne pense pas qu'on va voir le maire pour lui dire ce qu'il faut faire. Là, on a voté 200 000 euros pour les soutiens aux activités sportives qui rayonnent. On ne va pas demander non plus au président de club de dire ce qu'ils vont faire avec ou ce qu'il faut faire avec. Là, les éleveurs nous demandent un soutien moral. Ils ne demandent pas d'argent. Simplement, ils sont en tension. Et je crois que la meilleure réponse à leur amener, c'est de montrer qu'on les soutient. Après, le problème du loup, s'il doit en avoir, pas en avoir, c'est pas à nous de le décider, mais c'est simplement vraiment un soutien vers l'activité agricole. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. D'autres interventions ? Oui, Jean-Benoît Cyrino. Oui, Jean-Pierre, le soutien au monde agricole, évidemment. La question, évidemment, c'est fondamental. Et je crois qu'aussi bien l'intervention du président que l'intervention de la première vice-présidente est allée dans ce sens-là. La difficulté, elle n'est pas là. Elle est, qu'est-ce qu'on veut faire avec ce vœu ? Est-ce qu'on veut ouvrir un débat dont on a... Est-ce qu'on veut ouvrir un dossier dont on n'a pas parlé ensemble, les uns et les autres ? Dont on n'a pas cherché un certain nombre de solutions. Certains d'entre vous ont peut-être rencontré différents acteurs du pastoralisme, mais il aurait été intéressant qu'il puisse y avoir une discussion en amont, qui nous permette d'obtenir un texte qui soit pleinement consensuel et qui permette effectivement de porter un message auprès du préfet. Rien n'empêche, Monsieur le Président, qu'il y ait un courrier du Président ou de l'exécutif auprès du préfet, juste avant la saison qui va reprendre et qui inquiète le monde agricole, évidemment, pour que l'on puisse lui dire qu'il faut effectivement faire évoluer la loi, notamment sur l'élevage bovin. Bon, OK, mais ça n'empêche pas. Pourquoi faire un vœu pour ça ? Enfin, il suffit de faire un courrier. Il suffit de marquer cette pression-là. Le vœu, tel qu'il est rédigé, le problème, c'est qu'il... sous-entend des choses qui, évidemment, sur la place publique, peuvent être interprétées. Vu qu'on n'en a pas discuté tous ensemble, préalablement, je trouve que c'est assez délicat. Et moi, je pense qu'on devrait se donner un peu le temps, je dis le temps, c'est-à-dire 15 jours, 3 semaines, jusqu'au prochain conseil communautaire, de façon à affiner ce texte, qui est tout à fait intéressant sous plein d'aspects, affiner ce texte de façon à obtenir effectivement ce qui est l'intérêt de notre territoire, c'est-à-dire une position de compromis, une position consensuelle sur cette question. S'il faut des tirs de défense, il faut se poser la question, il faut qu'on ait un débat là-dessus. Pourquoi pas des tirs de prélèvement ? Pourquoi pas d'autres modalités ? Pourquoi pas accompagner nous-mêmes l'agglomération, prendre nos responsabilités, pas tout demander tout le temps à l'État et accompagner nous-mêmes financièrement les éleveurs dans un cadre à réfléchir, notamment sur la question des bergers. Il y a plein de choses à évoquer. Moi, je trouve que malheureusement, ce texte est un peu vague et ce n'est pas vraiment un soutien absolu. Finalement, c'est un texte un peu vague qui met l'accent sur le loup, alors que la question fondamentale, c'est la question du pastoralisme. Moi, je souhaiterais qu'on puisse le décaler. Et l'humble VP à la participation citoyenne que je suis veut bien participer dans les prochains jours, s'il le faut, à une rencontre avec le monde du pastoralisme et les membres de l'exécutif pour qu'on cale effectivement un texte uniquement avec ça à l'ordre du jour, pour qu'on cale un texte là-dessus. Moi, il me semble que ce serait beaucoup plus pertinent et surtout beaucoup plus raisonnable et constructif. Enfin, le sujet, c'est vraiment l'ouverture au tir de défense vis-à-vis des bovins. Hein. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très clair. Je le redis, il y a urgence. Bon, si on prend le temps, mais il faut qu'on réponde aussi à cette urgence. Mais précisément, qu'est-ce qui gêne ? Quels sont les termes qui gênent dans ces 1, 2, 3, 4 points ? Je ne l'ai pas exactement en tête, mais c'est plutôt l'alinéa 3 qui est peut-être pas assez précis sur la nature de... en fait, tous les alinéas ne sont pas très très précis. Qu'est-ce qu'on entend par les mesures de protection ? Comment nous, agglomération,
on peut s'impliquer dans ces mesures de protection. On parle d'indemnisation. Bon, si on attend tout de l'État, des fois, on n'a pas de solution immédiate. On est dans une situation d'urgence. On sait à quel point une bête qui meurt, qui est attaquée par un prédateur, est un traumatisme pour l'éleveur. On le sait, l'éleveur, il cherche pas uniquement de l'argent, c'est pas le sujet, mais c'est une forme de soutien symbolique, souvent, bien plus qu'économique, que de réfléchir nous-mêmes à des formes d'indemnisation, nous-mêmes à des formes d'accompagnement pour qu'ils puissent mettre plus de bergers, pour qu'ils puissent mettre plus de personnel pour protéger leurs troupeaux. Voilà. Moi, j'avoue que je ressens un besoin depuis qu'on a à l'ordre du jour, depuis 5 jours, donc ce dossier, je ressens un besoin d'approfondissement. Il ne s'agit pas d'y passer des mois, hein, mais sous les quelques jours qui nous séparent d'un prochain conseil communautaire, qu'on traite le sujet et qu'on s'oblige à inscrire au prochain conseil communautaire un texte qui soit de compromis et qui soit consensuel et qui nous permette de décliner des opérations concrètes de protection de nos éleveurs. Enfin, les mesures de protection, elles sont très réglementées, c'est comme les tirs, aussi bien de prélèvement, de défense, tout ça est extrêmement précis. Effectivement, dans le texte, ça peut paraître très général, mais chaque mot, quand on parle de protection des troupeaux, c'est quelque chose de très précis, ce qu'attend l'État dans les procédures. Oui, Sandra Ferrari, allez-y, répondez. Pour terminer, comment peut-on nous impliquer véritablement dans le cadre des procédures réglementaires, évidemment. Voilà, c'est vraiment important. Si on veut marquer un soutien, comme le dit Jean-Pierre Fressoz, et il a parfaitement raison là-dessus, si on veut marquer un soutien au monde agricole, au monde du pastoralisme, ben, impliquons-nous, allons-y, mettons un peu les mains dans le cambouis par rapport à ça, et envoyons ce message positif. Non, mais ça, c'est effectivement quelque chose que l'on peut engager derrière des actions. Quelles actions on peut faire? Voilà. Enfin, moi, je pense que si, et c'est ce que je vais vous proposer. Sandra Ferrari, et puis après, Dominique Poma. Rebonsoir à tous. J'aimerais qu'on arrive à réfléchir parfois... Ah, pardon. C'est peut-être parce que je ne suis pas très grande. Merci. J'aimerais que nous arrivions à réfléchir sur l'animal. Aujourd'hui, nous réfléchissons sur le pastoralisme et c'est effectivement une réflexion extrêmement importante. En revanche, j'aimerais qu'on n'oublie pas la dimension animale. Le Canis lupus est un animal mythique. Le Canis lupus est un animal extrêmement intelligent. Il sait tout décoder de nous. Il a tous ses sens et toute sa pleine possession. Et il a le plan A, le plan B, le plan C, le plan D, le plan E, etc. Contre votre chien domestique, il n'a que le plan A, le plan B, et après, il vous attend. Je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux de la nature primitive et de la nature sauvage. Et je pense qu'effectivement, des tirs pour rééduquer la nature sauvage, ce n'est pas indécent. Dans la mesure où tous ceux qui travaillent avec les animaux, tous ceux qui travaillent avec les chiens, tous ceux qui sont proches des loups ou qui ont des loups sur leur territoire, ce qui est notre cas, savent que l'animal sauvage s'habitue. L'animal sauvage est de plus en plus près de nos maisons et l'animal sauvage prédate également nos animaux de compagnie, y compris nos chiens. Voilà. Donc j'aimerais qu'à un moment donné, on soit pragmatique, on soit réactif, et surtout qu'on ne soit pas dans une dimension hors sol de la gestion de la prédation. La prédation est violente, la prédation fait des dégâts. Il ne s'agit pas ici dans ce débat de prendre position pour ou contre le loup ou de dire qu'on va faire des tirs d'abattage des animaux sauvages. Il s'agit vraiment d'éduquer, de cohabiter avec une espèce et de prendre absolument en compte le côté qui devient peut-être... préoccupant, hein, c'est-à-dire que la faune sauvage s'habitue tellement qu'elle est finalement aux portes des maisons et des exploitations agricoles. Voilà, merci de m'avoir entendu. Merci, Dominique Poma. Brièvement, parce que chacun a un avis légitime sur le loup, hein. La société veut des loups, des ours, mais ceux qui en veulent ne vivent pas avec.
Et comme vice-président agriculture tourisme au Bauges, j'ai eu la chance de faire deux réunions avec les alpagistes. J'ai aussi accompagné l'éleveur qui chez nous est allé terminer les brebis qui avaient été abîmées par le loup. Le vœu qui vous est proposé est incroyablement modéré par rapport à ce qu'ils réclament. Les éleveurs nous disent, les colliers de protection des bovins, on n'en veut pas, parce que si on l'accepte, ça veut dire qu'on accepte la présence du loup dans le massif. Donc le vœu que vous présente le président, c'est un vœu qui est terriblement modéré. Et c'est aussi marquer notre soutien au monde agricole. Maintenant, une offre de dialogue, ça ne se refuse pas. Donc une offre de travail ensemble, ça ne se refuse pas. Mais ce soir, repousser un vœu très modéré au motif qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, c'est quand même mégoter notre soutien aux éleveurs et ça va être pris, ça va être mal pris. Donc faut l'ouvrir, ce débat. Mais moi, je suis assez réticent au fait de repousser le vote de cette motion très modérée, je me répète. Oui, notre intervention, Aurélie. Oui, juste pour redire qu'effectivement, on aurait été complètement disposé à avoir ce dialogue en amont et on est un petit peu désolé de se répéter du fait de découvrir tous ces projets de délibération quelques jours avant le Conseil communautaire. Donc je redis qu'on peut s'entendre très rapidement en ajoutant un petit peu plus de contenu au vœu en lui-même sur les différentes tirées et mesures qui sont proposées. Et ça, je pense que ce serait vraiment important. Après, on peut aussi peut-être faire un premier vote sur la pertinence de voter ce vœu ce soir tel qu'il a été préparé et tel qu'il est formulé, si on a besoin aussi d'avoir un positionnement du Conseil communautaire. Je redis qu'on l'a vu en conférence des maires où les vice-présidents non maires sont également conviés. Voilà, oui, Christophe Richel, oui, bien sûr. Oui. Oui, merci de me donner la parole parce que ça commence à durer un petit peu. On a bien compris que ce n'était pas un débat sur la motion, sur le vœu qui est en train de s'ouvrir là. On a eu dans mon court passé politique lors du dernier mandat, à voter des vœux où on ne préparait pas les vœux, je ne citerai pas de gros mots en disant le TGV, on a voté une motion sur le TGV, on n'a pas attendu d'ergoter, de savoir si le Conseil communautaire intervenait sur le règlement et compagnie. Là, on parle d'un vœu, donc on ne va pas rentrer dans le dogme et compagnie. On vote le vœu, moi, président, ce que je vous propose, puisque vous êtes président, point la ligne, on est pour, on est contre. Je ne voudrais pas qu'on y passe quand même la nuit. Et puis après, oui, on peut ouvrir un débat. Oui, on peut aller. Il n'y a rien qui est offensant dans ce vœu, puisqu'il ne propose que d'appliquer la loi, de la faire appliquer, de demander d'être réactif au service de l'État. Ce qui est malheureusement le cas, je le dis ouvertement ici, sans honte. Dans d'autres domaines aussi, on pourrait avoir des vœux sur la réactivité des services de l'État. Et dans ce cas-là, on est à l'ouverture de la saison d'alpage. On ne va pas remettre ça, même dans 3 semaines, ni dans 5 semaines. Et je félicite les maires des communes des Bauges qui ont quand même pris la mesure du problème qui est plus que psychologique et qui est, je n'ai même pas prononcé le mot loup, sauf là, je viens de le faire, mais ce n'est pas un problème de loup ou pas de loup, c'est un problème de société. Voilà ce que je voulais dire, merci. Merci, oui, je vous en prie. Bonsoir mesdames et messieurs, chers collègues, j'avoue que ce soir je suis un petit peu perplexe de voir du coup le débat qui se mène aujourd'hui sur ce vœu. Il n'est pas pour moi nécessaire de devoir se diviser sur on est pour, on est contre. Je crois que ce soir il y a un des points qui est vraiment fondamental dans ce vœu, qui pose malheureusement problème, c'est bien entendu les tirs. Voilà. Et du coup, je crois qu'il vous a été proposé plusieurs solutions de travail ensemble. Ça serait peut-être juste marquer une vraie envie de
prendre en compte en tout cas les avis divergents pour pouvoir construire ensemble en fait un vœu. Là, à l'heure actuelle, les tirs de défense posent quand même souci, même s'ils sont cadrés par l'État. Je crois que le sujet a été déjà abordé à quelques semaines d'une échéance électorale. Ce n'est peut-être pas le plus pertinent. Voilà. Personnellement, je reconnais que j'apprécie la nature. J'ai vécu avec le loup en montagne. Je comprends que ce soit vraiment difficile pour les éleveurs. Je ne veux absolument pas faire de clivage, parce que c'est un petit peu ce que je ressens là entre urbain et agriculteur, parce qu'en fait, initialement, il n'est pas censé rien avoir. Juste avec ce point, si Monsieur le Président, vous voulez bien retirer le troisième point sur les tirs, je crois qu'on pourrait tous trouver à s'accorder. Bonsoir. Oui, Jean-Pierre. Dans ce vœu, c'est ni plus ni moins qu'appliquer la loi. L'attaque qu'il y a eu à l'Echrenne, sur des moutons, c'est sur des brebis, un petit troupeau qui ne peut pas être protégé. Les services de l'État ont mis 2 jours pour venir, alors que normalement, il faut réagir vite. Demain, ce qui va se passer dans les alpages, c'est des troupeaux, comme l'a dit le président, qui sont livrés à eux-mêmes, avec un parc autour, un package. Le bovin, c'est pas un mouton. Si le loup part après, c'est déjà arrivé l'année dernière, ça n'a pas beaucoup parlé, mais il y a 5 vaches qui ont sauté le rocher. Donc voilà, aujourd'hui, les éleveurs, ils ont besoin qu'on leur montre qu'on est là, qu'on demande aux services de l'État de mettre tout en œuvre ce qu'il y a pour qu'ils puissent passer un été tranquille. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça. On applique, dans ce vœu, la loi nous autorise aux éleveurs de faire, c'est-à-dire des tirs d'effarouchement. Et voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Hein. Après, j'ai pas envie de passer ces 10 heures du soir, je pensais pas qu'on allait passer, on a passé tout le temps d'administratif, merci de nous. C'est normal. C'est vrai que ça a été abordé en comité des maires. Il y a le président de la chambre qui est venu. Il y avait le gel et il y avait le loup. Ça a pas. Alors, en étant visio, il n'y a pas eu de questions particulières. Donc, c'est ni plus ni moins que soutenir l'agriculture d'une partie du territoire. Ok. Dernière intervention. Et je conclue. Qu'on peut réécrire, si on ne peut pas le faire dans les prochains jours, ce soir, maintenant, quelques tirés. Parce que c'est effectivement à quelques nuances près qu'on pourrait aboutir. Et je tiens juste à dire que le vœu tel qu'il est formulé, nous l'avons découvert dans notre convocation et qu'il n'a pas été présenté en conférence des maires. Bon, moi, je pense que pour répondre au tir de défense, j'ai pas senti que c'était ça le souci, parce que tout ça, c'est très réglementé. On dit simplement qu'il s'applique aux troupeaux bovins parce qu'il manque cette possibilité-là. Moi, je suis ravi d'entendre qu'effectivement, on veut s'impliquer, qu'on cherche à trouver des solutions et soutenir ce pastoralisme. Ce vœu, il a été... C'est réfléchi, c'est pesé, les mots sont aussi pesés, répondent à des renvois réglementaires et des mots qui sont précis. Il est équilibré, il montre, ce vœu c'est pour montrer la solidarité et la prise, ça permet une prise de conscience des élus que nous sommes à cette problématique. Il n'a pas de valeur réglementaire, c'est un vœu. Voilà, je pensais que j'allais trouver facilement cette solidarité ce soir sur cette proposition-là. Moi, ce que je vous propose, c'est que je vais vous demander de voter ce vœu en l'état ce soir et que derrière, on continue une réflexion, évidemment, pour trouver de quelle manière une agglomération comme la nôtre, avec ce territoire qui est là, qui est important, puisse soutenir plus qu'un soutien sous la forme d'un vœu, qui est une première étape,
et qui, sur laquelle il y a un besoin urgent de répondre. Et c'est donner, aussi un signal à nos éleveurs fort. Et ce vœu, il dit rien de plus, comme l'a dit Jean-Pierre Fressos, que ce que dit la réglementation. Donc voilà, on ne va pas y passer la nuit. Je prends le risque de le soumettre à votre vote. Donc, je vais le mettre au vote, parce que sinon, on va repartir sur des... Je ne souhaite pas modifier. Non, je vais le mettre au vote. Il est tard. Donc je soumets ce vote en l'état. Oui. Moi, je pense, cher collègue, et très rapidement, que ce n'est pas un vœu dont on a besoin si on veut soutenir le monde agricole. C'est une délibération. Donc, il faut prendre des mesures. Des vœux, c'est bien gentil, ça n'engage rien. Ça n'a aucun impact. Par contre, prenons des actes. Et pour prendre ces actes, on a le temps de le faire là, dans les temps qui viennent, très rapidement, avant l'ouverture de la saison. On peut très bien poser un certain nombre d'actes. Moi, à titre personnel, merci. J'aimerais avoir s'il vous plaît, cher collègue. Oui, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Voilà. Donc, moi, à titre personnel, explication de vote, moi, si on en reste là, je ne participerai pas à ce vote. J'attends qu'on prenne des actes et que l'agglomération s'implique pour soutenir les agriculteurs et ne fasse pas ce qu'on est en train de vivre ce soir. On pourra travailler sur une délibération après coup. Moi, je tiens à ce que ce vœu... C'est moi qui vous le propose, voilà. Ce vœu. Donc, je le propose et ça n'empêchera pas de reprendre une délibération si on veut être beaucoup plus précis sur des engagements. Mais voilà, donc c'est un vœu, ceux qui ne souhaitent pas prendre part, aucun souci, ceux qui voteront contre, aucun souci non plus. Je sais que c'est extrêmement clivant et c'est un sujet extrêmement délicat sur lequel nous n'avons aucune solution au niveau national, aucune. Et la parole, la réponse politique, elle est très très difficile et les maires qui se retrouvent confrontés à ça, n'ont pas de réponse et se font vraiment plus que chahuter d'une manière extrêmement, extrêmement dure. Donc je le soumets au vote, ce vœu tel qu'il est, avec, en disant, on travaillera sur une délibération pour voir comment on s'engage. Donc, est-ce que certains ne souhaitent pas prendre part au vote, comme vous l'avez exprimé ? Une, deux, trois personnes, quatre. Donc ceux qui votent, qui sont contre ? Un, deux, qui sont contre ? Contre. Ceux qui votent, un contre. Un contre. Contre. Ouais. Qui s'abstient ? Deux, trois. C'est normal. On va compter les pour, s'il vous plaît. Qui est pour ceux qui prennent part au vote ? Comme ça, on fait le... Et ceux qui ont des pouvoirs, ils lèvent deux fois la main. Oui. Ah, je vais recommencer. Pour. Ceux qui sont pour et avec les pouvoirs qui votent deux fois.
constater. Ok. Est-ce que ça représente une majorité, là, monsieur le DGS ? Sur ceux qui ont voté, est-ce qu'on a une majorité qui se... On va refaire depuis le début avec les pouvoirs. Qui ne prend pas part au vote et lève deux fois la main avec les pouvoirs. On recommence tout. Alors, s'il vous plaît. Ok. Les pour, on a fait. Qui est contre, maintenant ? Qui est contre parmi ceux qui votent ? Et vous levez deux fois si vous avez les pouvoirs. Deux. Bien. Maintenant, ceux qui ont pris part au vote, qui s'abstient ? Un, deux, trois. Voilà. On est bon ? Pourquoi non ? C'est vous qui tenez le bureau de vote, c'est ce que vous voulez. Mais c'est fait le total, il l'a dit, Michel Gounounex. Vous nous dites 39 pour, combien contre ? 3 contre, voilà, pour ceux qui ont pris part au vote. Donc c'est adopté. Merci. Non, s'il vous plaît. Si on peut éviter le genre d'applaudissements, c'est pas nécessaire. Ensuite, j'ai des questions diverses, si vous voulez rester. J'ai quelques informations, notamment sur la fin des centres ad hoc. C'est demain à l'Echeren que ça se termine. Donc je voulais faire devant vous un remerciement d'abord à nos équipes, aux élus. On a tenu 10 semaines sur 6 communes, 22... Oui, et demain, ça se termine. 22 personnes de Grand Chambéry, hein, donc ça fait 52 infirmières, 4 médecins qui se sont succédés. 1364 heures de présence. Également, les pharmacies locales qui ont fourni les doses. 2906 doses. Une seule dose jetée sur 2906, c'est remarquable. Je parle que des centres ad hoc, hein, bien sûr. Donc ça montre aussi la capacité de nos collectivités territoriales locales à pouvoir mettre en œuvre des dispositifs aussi complexes que ça et leur opérationnalité. Et quant au méga-centre, eh ben, aujourd'hui il est passé à 2000 doses par jour et on passe au plus de 18 ans sans restriction. Donc voilà, je crois qu'on peut se féliciter de ça. Voilà, et puis ce que je voulais dire, c'est une information aussi sur notre projet de révision du projet d'agglomération. On a réalisé un séminaire avec les vice-présidents et les directeurs de services. Donc le travail se poursuit. Et les prochaines étapes, ce sont les commissions et le CLD, le conseil de développement, excusez-moi, qui va continuer à travailler sur juin-juillet pour une validation à l'automne. Ensuite, j'avais une demande de Marie Bénévis, juste une petite information avant, que le schéma agricole a été, notre schéma agricole a été signé avec la Chambre d'agriculture le 6 mai. Et puis une dernière information à la demande de Marie Bénévis sur un événement concernant les déchets, je vais vous laisser la parole. Merci, Monsieur le Président. Ah, ça marche ? Ça marche ? Non ? C'est bon.
Merci, Monsieur le Président. Je serai très rapide. Il est tard. Juste pour vous donner l'information qu'il y a un événement, un temps fort proposé par la direction déchets donc de Grand Chambéry, qui sera le week-end de récup, le 12 et 13 juin prochain. Donc, ça fait quelques années que c'était une journée, le dimanche de récup. Ça se transforme cette année en week-end. Et donc, c'est un rendez-vous incontournable sur la promotion de la réduction des déchets via le réemploi, le recyclage, la réutilisation. Et donc, tout au long du week-end, sont proposées des conférences, ateliers, stands sur la thématique du zéro déchet à la maison. Donc voilà, ce sera à la salle polyvalente de Barbie. Je suis désolée parce que la communication a été un peu tardive. Vous recevrez l'information dans la semaine et n'hésitez pas à diffuser largement autour de vous. Je vous remercie. Merci. Voilà, écoutez, je vous libère. Merci beaucoup. Il est tard. Bon retour et à très bientôt.